Luc 22, verset 10. Oui. Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Yes. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Continue. Amen. À la chambre haute, est-ce que vous savez que ce lieu est un lieu d'événementiel? Quel est l'indice qui montre que la chambre haute était un endroit d'événementiel? Ça n'appartenait pas à Jésus. Ils ont fait une location. Oui. Ils ont fait une location. Je ne veux pas savoir que toi, tu me dises qu'ils ont fait. Tu es un humain. Mm-hmm. Et dans ta posture, tu peux mentir. La preuve, on a tous eu dans notre psychologie qu'il est écrit à la croix, Jésus a tout payé. Et ce n'est pas vrai. Donc, pour être sûr, il ne faut pas me dire. S'il vous plaît, on va faire un exercice. Vous qui êtes ici, ne me répétez pas, oui, c'est vrai. Parce que vous pouvez vous tromper. S'il vous plaît, la Bible dit quoi? Apportez à la maison vos... Dites ça plus fort. Vos dîmes. Si je vous allez sortir si vous ne parlez pas fort. On répète. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Amen. Ici, dites ça. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et ici, les pasteurs. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Amen. Malachie 3, 10 dit quoi? Apportez à la maison. J'espère que tu n'es pas en train de chercher. Puisqu'ils sont en train de dire, tu devais placer le texte biblique automatiquement. Malachie 3, 10. Non, mais il faut qu'ils voient que tu as la Bible en train de le dire. Oui, vas-y. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Vous avez entendu et vos offrandes dedans? Non. Non. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils me paraphrasent des choses. C'est pour ça que je suis en train de dire que dans votre tête, vous pouvez croire qu'un texte biblique l'a dit. Oh, ça n'a pas dit ça. Parce que je ne sais pas qui était votre ancien pasteur. La Bible n'a jamais dit apporter à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. Ce n'est pas vrai. Lui, second, n'a jamais dit aussi au commencement, Dieu créa le ciel. Ce n'est pas écrit Dieu créa le ciel. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu créa quoi? Les cieux. Donc, les choses commencent à devenir différentes. Si on dit la Bible exactement comme c'est écrit. Donc, moi, je vais me fâcher. Si je suis en train de dire, c'est bien cela, et que vous hochez votre tête, ça va m'énerver. Je dis, la chambre haute était-elle un lieu d'événementiel? Luc 22, verset 11. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Oui. Et vous entrerez et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Où est la preuve que ça a été payé déjà, loué? Un lieu d'événementiel, c'est un lieu qu'on réserve pour faire des spectacles, pour manger, pour faire de la gastronomie. Est-ce qu'il y a un indice qui révèle que ce lieu-là était loué pour était payé prophétesse? Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as une prophétesse qui lit la Bible? Est-ce que tu as aussi une Bible? Est-ce que tu suis l'enseignement? Donc, trouvez. Tu vas te lever puisque c'est enregistré. Tu vas prendre le micro et tu vas parler dans le micro. Luc 22, verset 8 dit... Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ok. C'est tout. C'est tout ce que vous avez comme indice. Très bien. Amen. Vas-y. Luc 22. Tu as une autre chose? Amen. Et toi, vous n'avez rien trouvé? Vous qui êtes dans le peuple, vous ne trouvez pas? Papa, le verset 13. Luc 22, le verset 13. Il partit et trouvait les choses comme il leur avait dit et il préparait la Pâque. D'accord, c'est tout. Ça n'a pas été payé. Amen.
J'attends que vous vous mettiez maintenant à faire vos recherches. Amen. Amen. Est-ce que ce lieu appartenait à Jésus? Non. Alléluia. Ce lieu n'appartenait pas à Jésus. Ce lieu appartenait à une personne. Ça devait être un lieu de location, un lieu d'événement. Il dit à ses disciples que lorsque vous allez aller, amen, lorsque vous allez aller, vous allez rencontrer un monsieur qui porte de l'eau sur sa tête. Demandez à ce monsieur-là où est-ce qu'on fera la Pâque. Le maître dit de demander. Et le monsieur va leur montrer une chambre déjà meublée. Vous voyez? Donc l'action de meubler, de dire meublé là, veut dire que ce n'est pas un domicile ordinaire. Est-ce que vous-même, vous ne dites pas ça ici? Est-ce qu'on a besoin de préciser que c'est une salle meublée quand c'est déjà la maison de quelqu'un? Donc c'est un lieu d'événement que Jésus avait réservé lui-même d'avance. Donc il a payé. Amen. Amen. Il a payé un prix. Il y a un monsieur qui venait livrer, il faut dire avec moi livrer. Livrer. L'eau. C'est important que vous le sachiez. Il avait une cruche d'eau sur la tête qu'il partait déposer. Où ça? À la salle. C'est une livraison. Parce qu'en Israël, les hommes ne portent pas de cruche d'eau sur la tête. C'est un ménage réservé aux femmes. J'ai parlé à quelqu'un. Ça, si vous voulez, vous faites les recherches sur la vie et l'anthropologie des Juifs. Mais on pouvait voir par contre des commerçants livrer de l'eau potable dans la maison des grands. Ils étaient payés pour ça. Donc Jésus-Christ a payé certains petits prix pour ses apôtres avant de se retrouver à la croix. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, ce que je dis vient vers vous pour vous dire que ce n'est pas à la croix que Jésus a tout payé. À son quotidien, il payait des prix pour ses enfants.
Un jour, il a demandé à ses deux apôtres d'aller prendre un anneau, un véhicule. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. C'est ça? Les voitures, exemple de voiture du temps de Jésus. Oui, ma fille, on lève le doigt. Hein? Chameau. L'anon, oui. Les chevaux. D'autres choses sur l'eau, par exemple. Oui. Non, allez-y, répondez d'abord avant. Les chars, oui, oui, qui sont tirés par des. Un autre moyen de transport, s'il vous plaît, étendons. Oui. Les bacs sur l'eau. Par exemple, les bœufs, l'âne, ok. Donc, c'est ça un moyen de transport. Il y a un monsieur qui a garé pour lui, devant sa porte. Jésus leur dit, quand vous allez partir dans cette maison, vous allez voir une belle voiture garée. Si vous venez, vous allez trouver la clé dessus. Démarrez et puis venez me donner. Je vais prendre pour rentrer à Jérusalem. C'est là, ses apôtres ont dit, ah, viens, si on va là. Et que quelqu'un nous dit, il y a quoi? Vous cherchez quoi? Jésus dit que dites-le seulement, c'est le maître qui en a besoin. Ils sont allés, ils ont pris. Et parce que cet anon-là, si le monsieur n'a pas parlé, parce que quand ils ont réservé la voiture, ils ont dit c'est au nom d'une personne qui s'appelle Rabbi. Acclame Jésus. Comment on a dit? Quand ils sont arrivés et qu'ils ont pris la voiture, quand le propriétaire, soit de location ou bien de vente de voiture, vient dire, hé, vous faites quoi? Il dit, c'est le maître. Ah oui, prenez. Il avait déjà payé ça depuis des années. C'est là. Ça attendait seulement ce grand jour. Ce n'est pas sur cette croix-là que Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a payé le prix pour nos péchés. C'est tout. Ce qui s'est passé à la croix, c'est le prix pour nos péchés. Péché. Jésus n'a pas payé. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, tu payes les factures de ta maison. Pour ceux qui dorment chez eux, hein. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous payez les factures, vous payez votre maison, vous payez la scolarité. Est-ce que Jésus a tout payé? S'il vous plaît, est-ce que Jésus a tout payé? Non. Vous payez le transport pour vous déplacer. Jésus n'a pas tout payé à la croix. Nous allons voir l'économie organique du royaume. Est-ce que vous prenez note? Yes. Donc, quels sont les textes bibliques qui nous ont fait croire que Jésus avait tout payé? C'était il y a beaucoup de textes bibliques. On a des textes bibliques, hein, qui promettent une vie heureuse et gratuite aux chrétiens. Je peux les citer? Yes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Donc, ça veut dire que quand tu vis la sanctification, tu te concentres, le royaume des cieux, tu lis la Bible, tous tes problèmes sont résolus. Matthieu 6, verset 33. Il y a un autre texte qui dit, demandez. Terminé. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Et il y a un texte biblique qui dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez, vous le recevrez, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. C'est quoi la foi? On a demandé si souvent des choses avec force, amour, volonté, et on n'a pas reçu. Cela remet en cause l'économie que vous aviez, l'idée que vous aviez de l'économie. Alors, malgré tous ces textes bibliques qui servent de repère, bien aimé, plusieurs n'ont pas forcément reçu ce qu'ils cherchent. Amen. Et quand ils ne reçoivent pas de Dieu, ils ont des réponses populaires. Ils disent que si les gens n'ont pas reçu, c'est parce qu'ils ont demandé mal. Soit c'est pour satisfaire leur convoitise.
ce qu'ils ont demandé n'est pas bon. Ou alors, c'est la personne même qui a demandé qui n'est pas bien. C'est-à-dire celui qui demande là. C'est lui peut-être qui a péché, c'est pour ça qu'il n'a pas reçu. Ou soit, c'est, s'il n'a pas péché, c'est peut-être que ce qu'il demande n'est pas bon pour lui. Dieu sait où. L'argent que tu demandes là, peut-être que ça va te gâter. Ça va te détruire. Ça va te rendre orgueilleux. Peut-être le don spirituel que tu as demandé là, ça va te mener à la perdition. C'est pour ça que tu n'as pas encore été comment ? Exaucé. Mais non, le monde spirituel a d'autres principes. Et un grand nombre reste ignorant. Il y a deux versets bibliques qui amènent des chrétiens à ne pas aller plus loin dans leur recherche. Mais je vais prendre un qui est le plus célèbre. Il s'agit de Romains 6, 2. Romains 6, verset 2. Uh-huh. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Verset 23. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Matthieu 10, 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Amen. À première vue, ces deux versets bibliques-là nous disent quoi? Que tout ce que nous voulons, on peut l'obtenir comment? Gratuitement. Est-ce que vous participez à l'enseignement? Quand on lit les deux textes bibliques, ça nous donne le sentiment que tout est facile à obtenir. N'est-ce pas? Mais en faisant très bien attention à la forme de l'un de ces textes, on constate une contradiction qui est très pertinente. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'auteur utilise ici une figure de style qu'on appelle le pléonasme. Il dit quoi? Le don gratuit. Quand on dit le don gratuit, c'est un pléonasme. Parce qu'un don, là, c'est censé être gratuit, non? Hein? Et ce qui est gratuit est censé quoi être? Le pléonasme consiste à répéter des termes et des expressions ayant le même sens afin de créer un effet d'insistance. Justement, don gratuit, ça fait tilt dans la tête. Don gratuit. En effet, un don est censé être gratuit. Mais s'il y a redondance dans ce texte, c'est que l'auteur veut attirer notre attention sur l'existence d'une autre catégorie de dons qui serait payante. Parce que quand il y a pléonasme, mon Dieu. Oh Seigneur, merci, merci pour ta parole. Quand on vous dit don gratuit, là où il y a pléonasme, il y a insistance, on veut attirer votre attention. Si on dit le petit chiot, un jour il y a quelqu'un qui se moquait de moi. Quand j'ai dit petit chiot, il riait. Donc je l'ai regardé. Comment vous voyez? On ne dit pas petit chiot, parce que le chiot est déjà petit. Je dis, moi je ne suis pas allé loin à l'école, mais je voulais vous dire quelque chose. On dit petit chiot, parce que moi j'élève des chiots. J'ai beaucoup de chiots chez moi. Il y a des petits et il y a des gros chiots. Donc, le chiot, le petit que j'ai mis, c'est pour montrer à quel point le chiot est petit. Ou bien il n'y a pas de grand chiot. Donc je lui ai parlé d'une race qu'on appelle le dog allemand. Leurs chiots ont la taille de certains chiens. Donc on dit petit chiot. Et s'il y a petit chiot, ça vient annoncer quoi? Qu'il y a un grand chiot. S'il y a don gratuit, ça veut dire quoi? Il y a des dons qui sont payants. Come on, Daddy. Et si tant que les chrétiens ne sauront pas que même certains dons spirituels, on paye pour les avoir, ils vont être frustrés. Et plusieurs
appelés de Dieu vont aller se prosterner sous des hommes de Dieu pour dire, homme de Dieu, je veux ton don. L'homme de Dieu va prier pour eux, se concentrer, se muscler comme Hulk. Et ils ne vont jamais ressentir les effets de son don. Parce qu'ils ne connaissent pas le principe de l'économie du royaume. Ça peut aller? Come on. Acclame le Seigneur. Alors ce que beaucoup d'hommes de Dieu ignorent, beaucoup de chrétiens ignorent, ils ignorent qu'il existe d'autres principes de l'exaucement chez Dieu qui doivent s'ajouter à leur notion de la foi de base. On appelle ce principe-là le principe du commerce divin, le principe commercial divin, ou appelé le principe du donnant-donnant. Avec Dieu, il y a un principe qu'on appelle le donnant-donnant, le bitou. Le double, le bitou, le donnant-donnant, le B2B, le B2B, c'est un terme, un argot anglais. Amen. Et en français, ça existe aussi le D2D. Ok? C'est le gagnant-gagnant. Amen. Amen. Yes, avec Dieu ou parfois avec Dieu, business is business. Come on. Come on. Donc, au début de l'évangile, la Bible nous montre à plusieurs reprises un aspect gratuit des droits du chrétien. Le salut est gratuit. On ne peut pas vous faire payer le salut. Il y a des choses que nous recevons par grâce. Même quand on arrive dans Apocalypse 3, verset 18, ça commence à devenir inquiétant. Apocalypse 3, verset 18. Vas-y. Je te conseille d'acheter. Vas-y au début de l'histoire de cette église. Apocalypse 3, verset 16. Verset 14. Verset 14, écoutez. Écrit, Apocalypse 3, 14 jusqu'à 18, écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit le Seigneur. Le témoin fidèle et véritable. Uh-huh. Le commencement de la création. C'est ce que dit le Seigneur. Mm-hmm. 15. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que dans votre église, vous n'êtes ni froid ni bouillant, comme ce que vous avez fait ce matin. Vous priez comme des bluffeurs. Là. Je sais que vous êtes ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède. Oui. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. La même version en français courant. Hein? Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Pauvre. Aveugle nu. Aveugle. 18. Mm-hmm. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. Qui connaissait déjà ce texte biblique? Qui ne connaissait pas le texte biblique? C'est ta première fois, non? On va relire, on va expliquer. Dieu, dans une consigne qu'il donnait à Jean, Jean sur l'île de Patmos, vous avez déjà regardé un film qu'on appelle Alcatraz. Même, voilà. Ça existe vraiment. C'est tiré de faits scientifiques, de faits vrais. Alcatraz, c'est une prison qui se trouve sur une île. Quand on te met là-bas, tu ne peux plus sortir. Et à un moment donné, les Romains ont commencé à persécuter les chrétiens et ils ont attrapé les apôtres qui prêchaient Christ. Et on les tuait, on les exécutait. C'est comme ça que beaucoup d'apôtres ont été décapités. Mais Jean, lui, il n'a pas été décapité. Il a été envoyé où? Sur l'île de Patmos. Sur une île de Patmos. C'est une prison comme Alcatraz. Là où vous allez casser des pierres, des rochers, c'est un lieu de pénitence. C'est une île où, de l'autre côté, il y a des animaux féroces et sauvages. Et c'est clôturé. Le milieu est clôturé. C'est là qu'on met les prisonniers. Et vous ne pouvez pas vous échapper. Seuls les geôliers, quand ils arrivent en bateau, ils connaissent la voie pour rentrer dans le lieu. Et c'était dans cette île qui est semblable à Alcatraz que Jean était. Et Dieu va saisir Jean quand Jean était épuisé. Il demandait la mort. C'est là que Dieu prend Jean. Dieu transporte Jean dans le ciel. Et Dieu va donner des consignes à Jean. Voilà les consignes. Il dit,
va transmettre à l'église de Laodicée, l'ange de l'église de Laodicée, cette église existait vraiment au du temps de Jean, une ville qui était un centre commercial très, très prospère, connu pour ses centres bancaires, son marché de laine et ses médicaments. J'ai lu des livres d'histoire où on parlait de Laodicée. Le système bancaire, c'est-à-dire le style de faire des choses par la banque, avait pris une grande envergure à Laodicée. C'est presque là-bas même qu'est venue la science des banques, garder l'argent quelque part. Je ne sais pas si on se comprend. Avant, c'était le troc. Je te donne une banane, tu me donnes un miroir. Le triangle commercial. Maintenant, à Laodicée, ils avaient des banques. Comment? Et j'ai dit quoi encore? Ils avaient un grand marché de laine. La laine de chameau et autres laines. Et c'était des pharmaciens. Donc, ils vendaient des médicaments. Donc, ils vendaient beaucoup de médicaments. Et c'est là-bas où c'est qu'il y avait vraiment des remèdes pour les yeux. À Laodicée, sur le monde physique, ils avaient les meilleurs ophtalmologues. Ça, c'est un cours d'histoire et je parle sous le contrôle des scientifiques que je mets au défi et d'aller faire les recherches. En substance, Dieu qui connaît toutes choses dit de cette assemblée au travers son ange. Je sais que tu passes pour être riche, comme pour dire que les gens croient qu'ils étaient vraiment riches, parce qu'ils étaient vraiment riches. Mais Dieu leur dit, pourtant, vous êtes pauvres, pourtant tu es pauvre. Le message pour cette église est simple. Et voici ce que Dieu voulait qu'elle retienne. Dans cette vie spirituelle que l'on devrait retrouver dans une église chrétienne, non, sans cette vie spirituelle que l'on devrait retrouver dans une église chrétienne, l'église de Laodicée réussissait à avoir l'apparence d'une église vivante. C'est-à-dire sans l'onction, hein, ils arrivaient à faire voir qu'ils étaient vivants. En effet, bien qu'étant spirituellement mort dans leur assemblée, dans son assemblée, l'église de Laodicée parvenait à paraître une église vivante grâce à son luxe intérieur et extérieur. Vous savez comment on peut réussir ça? Par le moyen de la communication. Je suis allé aux États-Unis. Je rentre dans une église, voici la chorale. Ils ont un mass choir de plus de 100 personnes. Vous voyez, ici c'est Bayard Hachère, ils sont 4 personnes. Non? L'église dans laquelle je suis rentré, c'est toute une chorale. Ils sont nombreux. Alléluia. C'était beau. Le pasteur, quand on l'a annoncé, il est arrivé, tu vois, des écrans géants partout. Bien-aimé, il y avait même des danseurs, des danseuses. Elles dansent avec des foulards, là, comme des anges, quoi. Mais quand je suis rentré, moi, votre père spirituel, j'ai bâillé. Pendant, déjà même, quand la chorale chante, moi, c'était une berceuse pour moi. Et quand le pasteur est venu, vous voyez, il crie, c'est en anglais, « The Bible say, Peter !» En fait, calmez-vous, il crie, mais il a juste dit, « La Bible dit, Pierre, c'est fini. » En fait, ce que vous ici, vous faites en vous concentrant pour trouver le réma et autres, là, il est venu prêcher rapidement, il est fini, on a fait nos offrandes et nos dîmes. Je ne m'en ai rien senti. À un moment donné, il dit, « L'Esprit de Dieu va vous visiter. » Recevez le Saint-Esprit. Et il y a une dame qui pleurait. Il y a une autre qui faisait. J'étais dit, mais attends. Parce que nous, en Afrique, il nous faut beaucoup pour pleurer. Un culte, le culte était calme. Et... Alléluia. Amen. Et le culte était assoupissant. Ma fille qui m'a invité étant dans le groupe, nous, quand je regardais le culte, dans l'écran géant, il y avait des gens qui faisaient Amen. Tu vois, quand le monsieur prêchait, j'ai pensé que c'est moi qui avais un problème. Parce que ces gens étaient le fils de Zébédée qui avait une si bonne éducation. Tu as vu? Il vient de dire ça simplement. Et puis, il y a un gars qui se lève. Il dit, oh my God! Je dis, aïe! Donc, tous ceux... Et quand tu regardes à l'écran, puisque les gens, tout se fait de loin... Ceux qui attrapaient leur tête, nous, quand on sortait, ils rendaient leur badge. Ils enlevaient leur badge comme ça. Et ils donnaient à une personne. Ils donnaient à l'une personne. Puisque moi, j'ai été invité par ma fille qui travaille dans l'administration. Donc, en sortant, j'étais plus proche d'elle que ceux qui sortent par l'autre voie. Et quand ils sortaient, on leur donnait des reçus. Elle me dit, les reçus là,
ce sont des chèques. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, non, ici, les services d'ordre sont payés. Et puis, j'ai dit, non, mais ceux-là, ils n'étaient pas services d'ordre. Ceux que je viens de voir, je les ai vus à l'écran, en train de bénir Dieu. On dit, ceux-là, on les appelle les étudiants du Worship School. J'ai dit, ça veut dire quoi? En fait, pendant que l'homme de Dieu prêche, ils doivent simuler des émotions. Et c'est ça qui permet aux gens qui arrivent pour la première fois dans l'église de savoir comment se comporter. J'ai dit, ah bon? Parce que quand même on prêche, les mêmes gens là, ils courent, ils vont, ils font l'offrande, on les filme. Donc toi tu sens que tu dois aussi aller faire l'offrande et tu pars. Donc ils sont payés pour faire waouh. Pourquoi on les filme? C'est là que j'ai compris que j'étais arrivé dans une église morte. Parce que si on doit te payer pour dire waouh, c'est faux. Donc, Laodicée, là, ils étaient riches. Parce que Dieu avait, ils avaient là, eu la chance d'être riches. Alléluia. Amen. Mais ils communiquaient. C'est avec quoi la communication qui réussissait à paraître éveillée. Ce que Dieu reprochait à cette église, c'était l'orgueil. Car elle se plaisait à dire, je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée se croyait autonome, ignorant son état de pauvreté spirituelle. De nos jours, ce que je veux vous dire, une église peut être bien équipée et organisée, diffuser de belles images à la télé et sur les réseaux sociaux sans porter nécessairement les fruits éternels. Même si une telle église apparaît vivante selon notre prescription humaine, si elle ne répond pas aux critères de Dieu, il la juge comme étant comment? Spirituellement morte. Voilà ce qu'il disait quand il complète. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, donc spirituellement affligée, misérable, spirituellement pitoyable, pauvre, spirituellement nécessiteux, aveugle, sans la vision spirituelle et nu, manquant de revêtement et de la pureté divine et de l'autorité divine, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Quoi? Dis amen. Amen. Il y avait deux fils de... Des fils, je crois qu'il devait être sept, d'un pasteur qui s'appelait Sheva. Les prêtres là. Le prêtre. Est-ce qu'un prêtre, dans l'Ancien Testament, c'est un marabout? Non. Ça veut dire, au temps de l'Ancien Testament, il y avait une discipline qu'on appelait l'exorcisme, mm-hmm. où on priait, on chassait des démons. Un jour, il y a des fils de Sheva qui sont rentrés dans une maison pour chasser un démon. Ils ont dit, démon, sort. Qu'est-ce que les démons l'ont répliqué? Tu es très bien voilé. Très, 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 très bien voilé. Et ça, c'est très bon. Ça fait église. Amen. Mm-hmm. Acte 19, 15. Oui. L'esprit malin leur répondit. Yes. Je connais Jésus, mm-hmm. et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Là, c'est un démon qui dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Les jeunes à qui le démon vient de parler, ils ont mangé chez eux. Vrai ou faux? Vrai. La Bible dit sept fils de qui? Sheva. Ça veut dire qu'ils sont célèbres. Come on. Quand on dit le fils de Bédier, quand on précise le nom de ton père, c'est que vous êtes une référence dans le pays. Soit une référence dans la richesse ou une référence dans la médiocrité. Mais ce qui est sûr, une personne célèbre, c'est une personne célèbre. Vous vous moquez du père d'Aloi, mais il est plus célèbre même que votre église. Vérité. Que vous n'arrivez pas à faire connaître. Certaines personnes se moquent d'Apuchu National. Mais Abuchu National est plus célèbre même que ton pasteur. Donc, ils étaient célèbres. Mais le démon dit, il ne les connaît pas. Laodicée peut paraître grand. Laodicée peut paraître célèbre. Parce qu'elle a réussi à communiquer à la télé. Tout le monde dit, oh, cette église-là, elle prêche sur le péché. Mais pourtant, à l'intérieur, ils sont vides. En Côte d'Ivoire, au Congo, il y a des pasteurs célèbres que tout le monde adule. En France, tu les vois prêcher. Quand on dit qui a la réponse, même quand tu arrives dans le pays, tu dis qui est le pasteur que vous me conseillez? On te conseille ces pasteurs-là parce qu'ils font une référence d'être pieux. Mais souvent,
à l'intérieur, les démons ne les connaissent pas. Ils ne peuvent pas résoudre vos problèmes. Come on. Quand les caméras, dès que les caméras sont braquées sur une net, ils commencent à crier « Pécheur, pécheur !» parce que les caméras sont là. Vous qui péchez, vous êtes des pécheurs. Dès que les caméras quittent là, on connaît. On est d'accord? Dès que les caméras arrivent, Jésus-Christ aime l'homme pieux. Toi qui es un chrétien qui vit mal, tu es un pécheur. Quand les caméras quittent là, ils vont dans les, devant les portes des églises des autres pasteurs. Ils dénigrent les pères spirituels des autres. Ton pasteur là, il n'est pas bien. Il a vendu son âme au diable. Tu ne vois pas quand il chante? Voilà ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Dès qu'il y a une caméra, les hommes de Dieu, nous devons nous aimer. Quand la caméra quitte, vous voyez un peu, l'argent peut te rendre un homme de Dieu plus saint que Jésus. Mais ce n'est pas le fait de s'habiller en tout blanc, de parler tout le temps du péché. Église de Laodicée qui fait de vous des grands. Ce n'est pas parce que quand votre homme de Dieu arrive avec un grand... Pas parce qu'il y a un cortège de voitures que il est, Dieu l'a visité, Dieu l'a béni. C'est un signe que Dieu bénit. Mais il y a ce qu'on appelle la tenue de vérité spirituelle. Verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, comment? Épuré. Ce n'est pas des banquiers. Ils savent ce que c'est qu'acheter de l'or. C'est le contraste entre le système bancaire de Laodicée. Afin que tu deviennes riche. Mais la richesse mentionnée ici, c'est quelle richesse? Christ les fait constater que vous paraissez riche. Mais vous êtes pauvres. Maintenant, il décide de leur apporter une solution. Il leur dit quoi? Achetez de moi de l'or comment? Éprouvé. Je peux parler à une personne. Comment? Avant, on nous a dit que demandez et l'on vous donnera. Et on disait aux hommes de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donnez comment? Gratuitement. Mais le vieux père même n'applique pas ça. Parce qu'il finit de dire aux gens, vous avez des problèmes spirituels. Les gens là leur disent, maintenant, quelle est la solution? Il dit, venez me voir. Achetez. C'est un commerce. Le principe du commerce divin. Voilà ça. Come on, David. Donc, laissez les chrétiens cartésiens, les vieilles mentalités de pasteur de Lazare, là. Dis toujours, aujourd'hui là même, les hommes de Dieu de maintenant, tout même c'est l'argent. Même pour respirer, même ils vont te demander l'argent. Écoutez-moi bien, même le vieux Père Jésus, il a regardé les chrétiens de Laodicée. Il dit, je trouve que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas la voyance. Spirituellement, vous ne pouvez pas crier sur un démon parce que vous êtes flegmatique. Vous êtes mongol. C'est là le pasteur de Laodicée dit, Seigneur, on a compris. Votre messager Jean est venu nous parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir? Le Seigneur dit, venez me voir au bureau. Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. Achetez des habits avec moi. Et il lui dit, et un remède qu'on appelle le collyre pour mettre dans vos yeux. Le terme acheter, le verbe acheter n'a pas une autre signification. Acheter, c'est obtenir par un prix à payer. Il y a un prix à payer. Obtenir quelque chose par un prix à payer. C'est tout. Il n'y a pas autre figure de style. Peut-être acheter là voulait dire de se battre dans la prière pour obtenir. C'est faux. Il dit acheter de moi de l'or éprouvé. L'argent là, on doit l'acheter encore. C'est-à-dire, on dit on n'est pas riche, non. Mais maintenant, Dieu, on lui dit, donne-nous la solution. Il ne nous dit pas, tenez de l'or éprouvé. Il dit plutôt quoi? Achetez. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça, hier, j'ai consacré des pasteurs, mais les pasteurs que j'ai consacrés ont payé un prix. Ils ont surnommé ça le droit d'onction. Vous voulez grandir sans payer un prix? Vous avez menti. Jésus a payé votre salut gratuitement. Moi, je ne peux pas vous l'offrir encore. Je ne peux pas vous demander de payer votre salut. Mais il y a des choses que je vous donne. Si vous n'avez pas payé un prix, vous êtes foutu.
Alléluia. On y va. 1 Rois, chapitre 19, verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Je veux qu'une personne dans le peuple lise ce passage. Oui, ce que vous devez savoir, quand vous lisez, lisez fort, lisez à haute voix. Lisez à haute voix. 1 Rois chapitre 19, verset 20. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laissez-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Amen. Amen. Ça va? Expliquez-moi l'histoire. Il s'agit du fils spirituel d'Élie à qui Élie avait demandé d'abandonner tous ses biens afin de venir servir Dieu auprès de lui. Amen. Amen. Je vous explique. Amen. Tu es béni, fille. Merci, papa. Écoutez-moi. Cette histoire, vous la connaissez. Élisée. Et le fils de qui? Très bien. On va relire l'histoire. Vous allez remarquer le premier manteau. Vous allez voir que Élisée avait déjà reçu un manteau de la part de son père spirituel. Verset 19 de 1 Rois, chapitre 19. Élie partit de là. Élie, là, il part de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Il trouve Élisée. Quand il trouve Élisée, Élisée est encore le fils de son père. Qui labourait. Écoutez-moi bien. Quand il trouve Élisée, Élisée est fils de son père. Il n'est pas encore fils d'Élie. Comment? Il est fils de son père. Son papa biologique. Vous là, je ne peux pas être votre père. Et vous serez encore fils de votre papa biologique. C'est fini. Quand vous êtes mes enfants, je vous ai adopté. Normalement, vous devez payer mon transport, mais on va aller ensemble chez vos parents pour dire, ils n'ont qu'à vous laisser, vous êtes maintenant pour moi. Regardez. Tous mes enfants qui sont ici, je suis déjà allé. Les parents, là, eux-mêmes, quand ils me regardent, ils disent, voilà comment ils disent. Hein? Un jour, le papa de ma fille spirituelle m'a dit, mon rival, hein, notre enfant, là, il n'est plus. Regardez que c'est ta vie. Quand il y a rivalité, c'est-à-dire que nous deux, on est à cheval sur le mouvement. Non? C'est pour moi-même. Il dit, pardon, ta fille, là, deux jours, là. Hein? Donc, en tout cas, je sème la terreur là-bas, hein, dans la famille de mes enfants. Il y a un grand leadership. On ne peut pas être deux papas ensemble. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis votre papa définitif. On est dans la main d'une mère et d'un père. Et on meurt dans la main d'un dernier père et d'une dernière mère. C'est fini. Ils n'ont qu'à accepter comme ça. Le jour, je prends le cas pour aller chez eux pour les saluer. Quand vous allez dire, papa, voilà le pasteur qui me suit. Je leur dis que vraiment, surtout, il ne faut pas être de mon groupe ethnique. Par exemple, mon ethnique, ça ne veut pas bien parler pour te parler. Il dit, Ato, l'enfant, tu vois là, c'était ton enfant. Et si je veux juste te dire, ce n'est plus ton enfant. Voilà son nouveau papa. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il faut dormir tranquillement. Lui là, donnez-moi. Les autres là, c'est pour vous. Amen. Amen. Mais au moment où Élie rencontrait Élisée,
Élisée portait encore le nom de son père. Et on dit Élie, fils de Shaphat au départ. Mais après, on va dire Élie là. C'est le fils d'Élie. Élisée, du moins, est le fils de quoi? Élie. Voilà. Quand vous avez réussi dans votre vie chrétienne, votre nom de parent change même. Souvent même sur vos pièces. Vérité. On y va. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Reprends. Élie partit de là. Élie partit de là. Et il trouva Élisée. Il trouva Élisée. Fils de Shaphat qui labourait. Il a trouvé le fils de Shaphat chez lui à la maison, dans son environnement professionnel, de la vie sociale active. Il était un simple citoyen lambda. Qu'est-ce qu'il y avait devant Élisée? Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il y avait 12 paires de bœufs qui faisaient quoi? Et il était avec la 12e. Amen. Mm-hmm. Continue. Élie s'approcha de lui. Il s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Vous voyez, pourtant des années après, Élisée dit à son papa, ce que je veux ton manteau. Je veux la double portion de ton onction. Ça ressemble à de l'ingratitude. Mais hey, fiston, je t'ai déjà donné un manteau, non? La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a jeté. Et quand il jette sur Élisée, qu'est-ce qui se passe? Élisée, quittant ses bœufs. Élisée va quitter tous ses bœufs. Courut après Élie. Il court pour suivre son père spirituel. Et dit. Il dit. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Je suis venu te servir. Mais avant, laisse-moi aller dire au revoir à mon père et ma mère. Parce que c'est la dernière fois que je vais les appeler par le pronom possessif « mon ». Donc, laisse-moi aller leur dire adieu. Élie lui répondit. Va et reviens. Va leur dire au revoir. Car pense à ce que je t'ai fait. Reviens, on va aller faire l'œuvre de Dieu, mais pense à ce que je t'ai fait. Au pas l'air avec mon onction pour rester là-bas. Tu as menti. Moi, j'ai fini de mettre mon manteau sur toi. Et puis, tu vas retourner. Alors, dis, papa. Il y a deux papas spirituels. Si moi, en tout cas, le jour Dieu m'appelle, tant que mon papa n'a pas dit, tu es malade. Come on, daddy. Yes. Oui, vas-y. Il dit, pense à ce que je t'ai fait. Continuons. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suiva Élie et fut à son service. C'est pas fini. Et il a été au service de qui? Élie. D'Élie son père. Je peux vous parler? Come on. Pour répondre à son appel, il a tué deux quoi? Deux bœufs. Dieu de ses bœufs avec l'attelage. Vous savez, quand on parle de l'attelage d'un bœuf, ça veut dire que ce bœuf n'a pas été tué en tant que bétail. Le bœuf a été tué en tant qu'engin de manutention. J'explique. Quand le bœuf est seul, c'est de la viande. Mais quand le bœuf tire quelque chose, un attelage, ça veut dire quoi? C'est dans le système de l'agri. Donc de nos jours, est-ce que ce sont les bœufs qui labourent les champs? C'est quoi maintenant? C'est les tracteurs. Ça veut dire que Élisée, son père était propriétaire de plusieurs tracteurs. Il y en avait combien, les tracteurs? 12. Non. Yes. Ouais, 12 paires. Mais sinon, si c'est 12 tracteurs, ce n'est pas ça. Il y en avait combien? 12 paires. Non. 12 paires, ça veut dire combien de tracteurs? Ça veut dire 24 tracteurs. Quoi? Même la commune de Benjerville n'a pas autant de caterpillars. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment? Donc, c'est de l'argent. Il avait 12 tracteurs de ma Caterpillar. Quand on veut faire une route, c'est eux qu'on appelait. Donc, Élisée, là, n'était pas pauvre au moment où son père spirituel appelait. Élisée était riche, son père était un boss. Et lui, Élisée, la Bible dit, il avait devant lui quoi? Deux pères. Donc, ça veut dire que sur les 12, il était propriétaire de deux tracteurs qu'il prenait pour faire ses gombos pour manger. Mais pour aller servir Dieu, il a tué tout. Il a brûlé tout avec l'attelage, les cordes, tout ce qu'on prend pour tirer. Et il a pris la viande là, il l'a distribuée pour que les gens mangent. Parce que l'onction qui est sur lui là, quand il reçoit, s'il n'a pas tué, ça ne s'est pas activé. Un père qui vous aime, qui veut vous oindre, il va vous demander de mettre le sang dedans. C'est pour vous sauver.
Donc rattrapez ça vite. On vous a consacré, vous n'avez pas donné à manger aux gens. Vous avez maintenu les chrétiens ici jusqu'à 14 heures. Ils avaient soif. Ils sont venus à cause de vous. Un culte a été sacrifié. On n'a pas prêché normalement. On n'a même pas passé annonce que lundi il aura programme à cause de vous. Et les gens, ils sont retournés. Sans vos invités n'ont même pas bu de l'eau. Il y avait même des hommes de Dieu dedans. Or, c'est vos viandes là qui devaient manger. La promotion dernière, là, ils ont mangé vos propres viandes. Ce n'était pas pour que moi je peine pour faire élevage à Tiasali. Je suis berger des brebis, moutons humains. Je ne suis pas berger de vrais, vrais moutons. Come on. Quelqu'un me comprend? Moi, ils n'ont pas mangé. Mais Élisée a fait quoi? Il allait tuer bœuf. Regardez ici, c'est bélier, ils ont des mains. Élisée, il a fait quoi? Il a tué deux bœufs, mâles et femelles, ce qui peut se reproduire là. Ce qui peut faire son économie, il a tout tué. Parce qu'il s'en servit Dieu. Bartimée a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Vrai ou faux? Vrai. Le manteau là, ce n'est pas tout ce qu'il avait. Hein. C'est parce que si vous étudiez bien si vous étudiez bien un mendiant, vous allez comprendre que c'est un grand sacrifice que Bartimée a fait. Quand un mendiant raquette là, l'argent là, il met ça où? C'est dans sa poche. Poche du manteau. Quand il met la boîte devant lui, quand vous mettez, il vide et puis il met. Parce qu'il doit toujours paraître pauvre. Mais le jour où il voit Jésus, il abandonne son manteau. Quand j'entends les pasteurs prêcher, je demande, est-ce que le peuple sait ce que ça signifie? Comment on a dit? Quand Jésus a vu le manteau tomber et le bruit que le manteau a fait tout. C'est-à-dire les poches remplies. Ah, à cause de moi, le gars a abandonné son argent derrière. Et dans un quartier bizarre, quand il jette son manteau, les pièces versent, tous les gens viennent grouper sur l'argent. Ce n'est plus le problème de Bartimée. Bartimée s'en fout maintenant du jeton. Il s'en fout de l'argent. Il cherche son roi, son Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à abandonner des choses pour servir Dieu? Question. On vous a dit que tout était gratuit. Même Bartimée a payé un prix. Quand le Seigneur Jésus a vu qu'un homme comme lui, si pauvre, peut laisser ses poches par terre, Jésus lui a demandé, que puis-je faire pour vous? Vous savez, Jésus ne demandait jamais ça aux gens. En fait, Jésus est devenu le majordome de Bartimée. Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est les majordomes qui font ça. C'est-à-dire, j'imagine même que Jésus a fait ça. Que puis-je faire pour vous? C'est là Simon Pierre a dit à Jésus, ah, viens. Mais il y a une femme qui a rampé là-bas pour attraper le pan de ta robe. Tu as crié, qui m'a touché? Mais lui, là, il a fait quoi? Et puis, tu es à sa disposition. Come on, daddy, come on. Parce que, quand on est allé ailleurs, là, tout le monde pressait Jésus. On les chassait comme ça. Comme tu criais, tout nous. Mais libérer le passage, je vais passer. Mais lui, là, il a fait quoi jusqu'à ce que tu t'arrêtes? C'est le bruit de l'argent dans la poche. Oh non, Jésus. Jésus a dit que celui-là, il a abandonné son argent comme ça. Je le veux comme un élément. Quand Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? La première chose que ce monsieur a dit, pendant qu'il est mendiant, donc pauvre, aveugle, donc deux problèmes, il dit seulement, lui, il veut seulement voir. Jésus dit, ah, mendiant qui ne dit pas, je veux être riche. Tu es devant génie. Génie dit que tu as seulement un seul vœu à faire. Entre l'argent et voir, tu veux quoi? Mon cher, moi aujourd'hui, si je suis aveugle, je n'ai pas envie même que mes yeux s'ouvrent pour voir le problème de ce monde. Qu'il me rend milliardaire. Quand tu es milliardaire, l'argent fait voir clair. Tu dis quoi? Quand tu as l'argent, demande au Stevie Wonder. Il dit, Stevie Wonder, je veux que tu vois clair. Il dit, pourquoi? C'est ma position là qui fait que je suis comme ça. L'argent est bon. Le fait que tu sois aveugle et que tes parents sont heureux, tu as fini, tu as regardé. Vous êtes ensemble maintenant. Tu vois. Donc il a été intelligent. Jésus aime les gens intelligents. Et Jésus fait exprès. Il lui dit, va, retourne chez toi à la maison. Et la Bible dit que Bartimée suivit Jésus comment? Dans le chemin. Malgré que Jésus l'a chassé, il suit Jésus. Jésus disait, je savais qu'il avait besoin. Lui, là, il a besoin de lui. Il est bon.
Quelqu'un qui peut se sacrifier, c'est ce que Jésus aime. Jésus dit à Pierre, laisse ça, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'âme. Le même jour, Pierre a laissé sa barque et les poissons et tout. Combien d'entre vous sont prêts à laisser les choses pour suivre leur maître? Combien? Maintenant, c'est fini. La cupidité. Alors, je reviens à mon test. Est-ce que quelqu'un est dans l'économie organique du royaume? Come on. Est-ce que quelqu'un est dans l'économie organique du royaume? Yes. Il y a un prix à payer pour tout. Élisée l'avait payé. Et même les mystiques le savent plus que vous. Vous, vous êtes mystiques, mais les vrais sorciers, là, eux, les plus puissants sorciers du monde, les Mambarabou, Zangbeto, là, ils le savent. Acte 8, verset 18. Vous allez prendre peut-être même le verset 16. Acte 8, verset 16. Quand il était descendu encore sur eux, le Saint-Esprit, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. C'est l'évangile de... Qui a compris? Il y a un homme qui n'est pas chrétien. Lui, il veut juste travailler. Il a une petite boutique. Il travaille avec la Bible. Tu vois, non? Mais depuis, là, il a des problèmes pour décoller dans le ministère. Donc, il a compris que quand Simon, ils ont imposé les mains à ces chrétiens-là, en même temps, ils ont commencé à parler. Ils étaient en une surnaturelle. Donc, Simon dit, très bien, comme les gars même qui donnent la son là, il aime me connecter. Alléluia. Et c'est comme ça, Simon a proposé l'argent. Mais Pierre l'a maudit. Hein. Pierre lui a dit, tu es malade. Je voulais vous dire que le Saint-Esprit qui est là, on peut vous l'arracher en faisant des offrandes. Comment on t'a dit? Quand je dis le Saint-Esprit, vous pensez à quoi? C'est le Saint-Esprit qui a en lui tous les dons spirituels. C'est ce Saint-Esprit-là, il voulait acheter. Et puis le pasteur a eu du discernement. Comment? Il a eu du discernement et il a refusé. Un jour, les apôtres passaient, il y a une femme qui criait, ce sont des hommes de Dieu. Ils se sont retournés et disaient, hey, esprit de Python, qui derrière nous? Pourquoi? Parce que ces apôtres savaient que si cette femme continue de les frotter, elle risque de prendre leur onction. Je peux parler à quelqu'un? Yes. Dans la parole de Dieu, un jour, les apôtres ont pris un mouchoir. Ils ont essuyé leur sueur. Quand ils donnaient aux autres gens, qu'est-ce qui se passait? Ils guérissaient. Donc, on peut décoller une portion de l'onction pour le donner à quelqu'un, mais pas un point de contact. Donc, faites très attention. L'onction s'arrache. L'onction peut s'acheter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on est petit chrétien, on ne peut pas parler de ça. Les grands chrétiens savent. Je vais continuer. Amen. Et je vais terminer puisque dans 30 minutes, on a le culte du soir. Achetez de moi quoi? De l'or éprouvé par le feu. Achetez de moi de l'or. Donc, dans ce tableau que je viens de vous présenter, ce n'est plus Dieu le Père. Ce papa bonheur, ce papa gâteau qui promet et donne tout à ses enfants selon leurs caprices. Mais plutôt Dieu le businessman qui propose et vend à ses alliés selon le degré du besoin les concernant. C'est ici que va naître une nouvelle alliance entre liberté de recevoir de nouvelles choses et l'obligation d'en connaître les valeurs. Économie organique du royaume. On acclame le Seigneur pour le message. Acclamons Dieu. Tu peux t'asseoir royalement. Nous venons donc de savoir maintenant qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas obtenir gratuitement. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser et on ne se sépare pour revenir tout à l'heure pour le temps de... notre plénière du soir intitulée « Infiltrons le système ». Question.
bonjour. Papa, j'ai une question. Vas-y. Le verset qu'on a pris, on a dit que le don gratuit, c'est la vie éternelle. Si, si. Bon, moi je me demande si ce n'est pas une contradiction. Vu que, même si c'est écrit, vu qu'on nous enseigne depuis tout petit que c'est par la sanctification qu'on ira au ciel. C'est-à-dire que je ne pêche pas. Mm-hmm. C'est la seule raison pour laquelle je peux aller au ciel. Je t'aime. Oui, mm-hmm. Vas-y. Donc moi je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Pas même des conditions. Voilà. Donc je comprends. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je vais organiser un séminaire. Dès qu'on finit net, j'organise un séminaire ici. Matin et soir, pour enseigner sur l'économie organique du royaume. Rapidement, j'ai fait un petit module, puisque c'est mon cours d'école, on paye cher pour aller écouter ça. Je vais vous enseigner. Fils, je te dis la vérité. Je dis c'est gratuit, il n'y a pas de prix à payer pour avoir le salut. Ce n'est même pas la sanctification qui donne le salut. Je vais appeler ici le docteur Gédéon. Il va prendre un micro, on va donner des réponses ensemble. Docteur Gédéon, parce que chez nous ici, il y a des docteurs de la loi. Moi, je suis le prophète et il y a certaines questions, le docteur va nous aider. Docteur, voici la question. Il dit qu'il y a un prix à payer encore, parce qu'on ne peut pas dire que c'est gratuit. Si on dit sanctifiez-vous, faites comme ça pour le salut. Que dites-vous, docteur? Parce que moi, je suis très, très clair. Je pense. Bon, vas-y, docteur. Vas-y, avant de donner les réponses, déjà, expliquez-lui. On peut lui expliquer ensemble, en duo. Est-ce que... Donne-lui le micro. Vous pouvez répéter la question. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors qu'on nous demande de nous sanctifier, de faire des choses pour aller au ciel, de se garder pur et autres. Tu es mort dans le donc, péché. Il dit que la notion de la gratuité n'a plus son sens s'il y a encore des conditions pour avoir le salut. Oui, je crois que le salut même n'est pas gratuit parce que si nous prenons le verset phare que tous les chrétiens connaissent, Jean 3:16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Merci docteur, on acclame le Seigneur. Donc si on veut bien voir dans le fond, le salut même n'est pas gratuit, mais sauf que ce n'est pas nous qui payons, c'est quelqu'un qui a déjà payé pour nous. Et nous ici à la MRI, nous croyons que le salut est gratuit pour un peuple et a été payé pour un autre peuple. Moi je vous explique. Il n'y a pas d'effort à faire pour avoir le salut. Le salut on l'a dès la naissance, c'est inné pour les juifs. Tous ceux qui sont juifs ont déjà le salut. Préparez les textes bibliques. Le salut est pour les juifs. Amen. Quand tu nais juif, tu es sauvé. La preuve, après l'enlèvement, il y a des juifs qui vont rester sur terre. Mais le Seigneur va revenir quand même pour les 144 000 juifs qui sont des voyous. Dieu va quand même venir les chercher. Parce qu'ils sont déjà quoi? Ses enfants. Mais nous les Africains, nous sommes des ramassis. Nous les Africains n'avions pas droit au salut. Qui comprend ce que je veux dire? Nous les Africains n'avions pas droit au salut. J'ai une preuve que nous, on n'avait pas droit au salut. Que ce soit les Africains, les Arabes, les Indiens. Le peuple juif était seul à être sauvé. Un jour, Jésus arrive sur terre. Écoute mon fils. Il se promène et puis il y a une femme phénicienne qui arrive. La Phénicie, là, c'est d'eux qui sont sortis, les Libanais et autres. Une femme qui est les Arabes proches de l'Afrique. Là. Une femme syrio-phénicienne vient. Elle dit, Seigneur, sauve-moi, moi et ma fille. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour vous. Seigneur. Écoutez le texte. Quelqu'un va le lire à haute voix. Il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi sur terre. Ce que cette femme-là a dit. Elle lui a dit, Jésus, c'est vrai. Tu es venu pour tel enfant. Tu es venu leur apporter du pain. Mais même quand les gens-là,
Les propriétaires mangent leur pain là. Les miettes tombent pour les chiens. Donc moi, en tant que chienne, là, donne-moi un peu. Alléluia. Marc 7 quoi? Matthieu. Alors, mais tu Matthieu dis Marc 15. 7 pour qu'il fasse là. Si tu as trouvé, tu donnes le verset. Ok. Amen. Moi, j'ai fini d'expliquer l'histoire. Vous comprenez? Oui. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Oui. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Il dit, il n'a été qu'envoyé pour les brebis perdues de qui? De la maison d'Israël. C'est-à-dire que c'est des brebis d'Israël. Mais eux, ils sont perdus dans leur doctrine. Il veut juste les ramener. C'est pour eux qu'il est venu. Vous voyez, il y a un indice policier qui est quand même dans la Bible, qui prouve que Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Et que le salut n'est pas pour tout le monde. Quand même, il enseignait. Les disciples lui demandent, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit, je parle en parabole pour vous. J'aimerais que les lectures au derrière moi soient automatiques parce que cet enseignement, je le répète comme un perroquet depuis que je suis dans le ministère. Marc vous 4. Êtes derrière moi. Et vous savez très bien anticiper les textes que j'ai l'habitude de prendre. Vous les lisez automatiquement. Pourquoi, Seigneur, tu parles en parabole? Le Seigneur dit, je parle en parabole là. Ce n'est pas pour tout le monde. Marc 4, verset 12. Verset 11. Il leur dit, c'est à comme vous. Vous avez mis du temps, lisez vite. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. En écoutant. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Oui. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que les péchés ne soient point pardonnés. Tu entends? Il y a des catégories de gens là. Dieu ne veut même pas qu'ils se convertissent. Ben, Dieu n'est pas venu pour eux. On ne peut pas acclamer. Au début, quand Jésus est venu sur terre, là, il n'est pas venu pour quelqu'un, il est venu pour les Juifs. Vous m'avez écouté? C'est son peuple, le peuple béni. Mais plusieurs ont été détournés. Plusieurs ont été détournés dans d'autres religions. C'est eux qui veulent ramener à lui, c'est tout. Et même quand il est venu sur terre, il n'a pas réussi à tous les ramener, il est mort, il est allé au ciel. La Bible dit qu'il va revenir encore pour 144 000 juifs. Donc nous là, on nous appelait dans la Bible les gentils. Nous on n'a pas prévu d'être sauvés. Nous on est des humains qui sont insérés dans le système pour aider les juifs. Il faut bien qu'il y ait des esclaves, vrai ou faux? Il faut que les enfants de rois, il y ait une qualité de personnes qui soient à leur service. On est d'accord? Donc nous les Africains et les Arabes là, on était esclaves de ce groupe de personnes. Nous on n'a pas le salut, mais notre existence sur terre est à l'égal d'un chien. De la même manière que le chien est l'ami de l'homme, il va à la chasse pour prendre la viande de l'homme. Il est là pour le défendre. Il y a une qualité d'humain qu'on appelait les Caleb. C'est les chiens. La Bible dit que Caleb, là, ça veut dire chien. Auprès de Josué, il était un ramassis égyptien. Il n'allait pas être sauvé. Mais lui, il est là juste pour aider Josué comme esclave. Et quand ils ont divisé les tribus, là, il a eu un peu de terre dedans. C'était sa part sur terre. C'est fini. Quand il meurt, là, il n'est rien. Et parmi nous qui sommes des chiens, il y a une qualité qu'on a dans le livre de Jude 1, verset 4. La Bible dit que ces personnes ont été glissées. Écoutez-moi bien, dès le commencement. Lisons rapidement. Car il s'est glissé parmi vous, il s'est glissé hommes, parmi les humains. Certains hommes. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dont la condamnation est écrite depuis déjà dans le ciel. Des impies. C'est des impies. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Dis amen bien fort. Donc il y a des gens qu'on ne va jamais réussir à convertir. Eux, ils sont nés pour jouer un rôle de créer les sectes, de créer le blasphème sur terre. Ils vont mourir, francs-maçons. Eux, c'est comme ça. Leur rôle, c'est ça, de rentrer dans l'église, de venir coucher avec des sœurs, de rentrer dans l'église, de créer la division. Leur rôle, c'est ça. Quand ils viennent au début, ils sont chrétiens, même ils savent, ils aiment la musique. Mais en fait, ils sont nés Judas. Et parmi les 12 apôtres, il y avait un qui s'appelait Judas.
Il est né pour trahir. Le Seigneur dit, ce que tu es venu faire, fais le bien. Tu es né pour me trahir, trahis-moi. Que Dieu vous bénisse. Tu vas entendre l'évangile. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Tout est pour un but. Il y a un groupe de personnes, ils sont là pour le jour du malheur. Il y a un groupe, ils sont là pour aider. C'est pour ça, souvent, quand vous priez, vous allez réussir, tu seras directeur. Il y a des gens qui disent amen. Mais il y en a qui ne vont jamais être directeur parce qu'un directeur a toujours besoin d'employés. Il y en a qui sont nés sur terre pour être employés. S'il n'y a pas un blanchisseur au quartier, toi, tu peux repasser à Bi. Si tous les blanchisseurs deviennent pasteurs, toi, tu vas repasser à Bi où? Amen. Si tous les humains deviennent pasteurs, qui va être policier? Il y a des gens qui sont nés pour occuper des fonctions. Maintenant, quand toi, tu n'es pas né pour occuper cette fonction que tu es en train de le faire à cause de ce que c'est la vie qui t'a mis dedans, c'est en ce moment qu'un homme de Dieu rentre dans ta vie pour t'enlever, pour te mettre où tu devais être. Les forgerons, là, il y en a qui sont... Tu ne dois pas les enlever. C'est leur vie. Quand tu vas au nord, il y a la famille des potiers, il y a la famille des forgerons, il y a la famille des bouviers. Si tu vas prêcher l'évangile dedans, tu leur dis, toi, laisse. Il sera étonné. Il aime ça. Toi, tu crois qu'il souffre. Il est dans les mûcherons, en train de diriger les bœufs au village. Il est là. Il est né dedans. Ses enfants sont nés dedans. Il y a un groupe d'humains qui sont nés pour être des quoi? Des mendiants. Il faut toujours qu'il y ait un mendiant dans la rue. Vous ne pouvez pas changer. Quand Jésus est venu sur terre, quand il est parti, il n'a pas laissé des mendiants ici avec nous. Il n'a pas laissé des sorciers avec nous. Et même quand il va revenir, il ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Il va venir prendre 144 000 juifs. Mais c'est quand il est arrivé sur terre, je vous le promets, hé Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. C'est quand il est arrivé sur terre qu'il a senti qu'il faut que aussi les Noirs soient sauvés. C'est sur terre que Jésus a négocié. C'est après quelques tests bibliques que tu te rends compte qu'il a commencé à négocier. Un jour, il marchait. Ils sont venus lui dire qu'il y a un homme qui veut que tu le reçoives. Il dit, pourquoi je vais le recevoir? C'est un Romain. Les Romains, là, ils ne sont pas pour nous. D'ailleurs, même c'est eux qui nous ont colonisés. On a vu comment ils ont maltraité nos parents. Les gens sont venus demander pardon à Jésus. Que ce Romain-là, il est bien. Il a construit maison. Il a construit l'église. Les pasteurs, là, il y en a un qui dorment là. C'est le Romain, là. Il aime notre nation. C'est bien écrit. Il aime notre nation. Si vous tapez sur Google Net, il aime notre nation, le verset sort. Le centenier. Les gens ont couru pour venir négocier. Il aime notre nation. Pasteur, comme c'est toi qui as surtout les meilleures techniques pour trouver vite les tests, faut t'y mettre aussi. Non, tu peux garder ton truc. Bon, donne-lui, prends le truc et puis Google. Hein? Il a dit au centenier, non, cet homme aime notre nation. Hein, comment il s'appelle là, hein? C'est pas le chose, c'est Jaïrus. Luc 7, verset 4. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications. Supplication, c'est Jaïrus. Il mérite que c'est le centenier. Le centenier. Voilà, vas-y. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Car pourquoi? Il aime notre nation. Parce qu'il aime Israël. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui-même qui a bâti l'église. Et c'est comme ça Jésus a dit quoi? Allons. Et le monsieur a dit à Jésus, non, ne vous déplacez pas. Moi, je suis un militaire. Quand je veux faire quelque chose, je ne me déplace pas. Je dis à mes ouvriers, dis seulement quoi? Un mot. Qui comprend ce que je viens de vous dire, l'historique? Les Africains n'étaient pas faits pour être sauvés. Mais c'est quand Jésus est arrivé sur terre qu'il a constaté que ce peuple-là est magnifique. Ils sont même plus gentils que qui? Que les Juifs. C'est là qu'il a compris le paramètre spécial de son arrivée sur terre. Pourquoi lui-même Dieu est venu sur terre? Il est venu pour attraper les Juifs et finalement prendre les ramassis, qu'on appelle les gentils. Nous qui n'étions pas censés être sauvés, il a payé un prix pour que nous là, nous soyons sauvés. C'est pour ça au ciel, quand la réunion là se faisait, on dit personne n'a été trouvé digne de rompre ce sceau. Parce que le sceau là, c'est un décret qui avait été donné pour nous, la race noire, les Caleb, les chiens. Nous, on ne devait pas être sauvés. Mais on dit seul l'agneau a été trouvé digne. Mais pour ça, excusez-moi, Dieu c'est un roi. On dit, mais si tu as déjà dit, et quand tu dis, tu as et c'est même écrit, que ma parole ne revient pas à moi sans s'être accomplie. Il dit, quand j'envoie ma parole, elle ne revient pas à moi sans s'être accomplie.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oh, je vais vous prêcher vrai évangile, acclamez le Seigneur. Ma parole ne retourne point à moi. Esaïe, la parole de Dieu. Esaïe 55, verset 11. Si tu ne lis pas vite, le gilet rouge va devenir blanc. Lis rapidement. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne doit pas retourner à moi. Sans effet. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Oui. Et accompli mes desseins. Donc le verbe accompli a été prononcé, non. Donc si moi, Dieu, j'ai dit qu'il y a un groupe qu'on appelle les ramassis, ils ne doivent pas être sauvés. Cette parole-là, avant la fin du monde, doit s'accomplir. Il avait déjà fini de dire ça. Mais maintenant, il va changer. Pourquoi? Comme il a envoyé sa parole. Oh, faut dire le texte qu'il dit là. Elle ne retourne point à moi. Quand on dit retourner, ça veut dire qu'il a envoyé. Est-ce que le texte montre d'abord la partie où il envoie? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche, vas-y. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Très bien. Donc comme il a déjà lancé la parole a un effet sur terre. Seuls les justes seront sauvés. La parole s'apprêtait à retourner à lui, donc lui-même il est descendu pour bloquer la parole. Come on. Yes. Et il a su que la parole n'est plus modifiable au ciel parce qu'elle a déjà libéré son là-bas. Elle est sur terre. Donc c'est pour ça quand il est descendu, il a dit, j'avais dit qu'on doit lapider la femme adultère. Mais maintenant je réécris à terre que la femme adultère ne sera plus lapidée. Que celui ou celle qui n'a point péché. Oh! Asseyez-vous, je vais vous prêcher le vrai évangile. Les paroles ne peuvent plus être modifiables au ciel parce qu'elles sont déjà sur terre. Donc il envoyait un commando parachutiste du nom de Yeshua Mashiach. Va rapidement transformer toutes les balises avant qu'elles explosent. C'est comme ça Jésus a tout écrit. Et quand il est monté à la croix, il dit, tout est maintenant accompli. Yes. Alléluia. Ça veut dire que le salut pour Simon de Cyrène avait été payé. Le salut pour qui? L'Éthiopien avait été payé. C'est pour ça, après, Philippe pouvait être envoyé pour baptiser un noir, un Africain. Ils n'en avaient pas droit. Donc, fils, ce que le docteur disait, effectivement, le salut là, quand on regarde bien, il n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas le salut des Juifs. Le salut des Juifs, il n'y a même pas une histoire de payer ou pas payer. Le salut des Juifs là, c'est inné. Eux, ils sont nés du ventre de maman, directement. Nous, on est les fils adoptifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Et dans la loi de ce monde, pour adopter un enfant en chose, chez les Blancs là, on signe. On paye des timbres. Vous savez ça? Jésus a payé un prix. Et c'est pour ça qu'on dit à tous ceux qui ont reçu Christ désormais, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça ceux qui disent que le salut est inné. Quand tu nais, tu es sauvé. Ils n'ont pas tort, mais ils doivent rectifier. Ce n'est pas un évangile pour l'Afrique. En Afrique ici, le salut se conquit. Se conquit par tous ceux qui viennent, tu as le salut. Et quand tu as le salut, tu ne le perds plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une première étape. Avant de dire que le salut ne se perd pas, il y a une étape. Il faut au moins avoir accepté la parole de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Mais si tu as refusé la parole de Dieu sur terre jusqu'à ce que tu es mort, ça veut dire que tu n'étais pas né pour être sauvé. Car nul ne vient à moi si je ne l'ai comment appelé. C'est pas ce que Dieu dit. Donc si Dieu t'a appelé que tu as réussi à venir, c'est que tu avais le salut. Mais si Dieu t'a appelé jusqu'à ta mort, tu n'es pas venu, qui t'a dit que tu vas être sauvé? Mais par contre, le juif qui tourne film porno, le juif qui est un mercenaire qui tue l'homme, le juif qui est un PD, le juif là, quand il meurt, Dieu va venir, il ne va pas au dernier jugement, il va vivre la souffrance qui est sur terre, les temps de l'antéchrist. Mais un jour, Dieu va venir maintenant le chercher après avoir souffert. Ne confondez pas brebis perdue avec enfant prodigue. Le Seigneur dit, quand une brebis est perdue, là, tu dois partir, toi, le berger, fais quoi? En abandonnant qui? Donc, dans la première dispensation du service de Dieu, il est venu chercher les brebis comment? Perdues. Mais quand l'enlèvement va se faire, les enfants prodigues seront attirés vers Dieu eux-mêmes. Le Seigneur Jésus ne va pas venir les chercher sur la terre.
Lisez la parole de Dieu, l'enlèvement. On dit le Seigneur Jésus-Christ va venir dans une nuée. Fils, tu es béni. Celui qui a posé la question. Tu es béni jusqu'à... Apocalypse 14, 14. Vas-y. Je regardais et voici, une nuée blanche. Il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or. Continue. Et dans sa main une faucille tranchante. Très bien, ça aussi ça explique, mais c'est pas ça. Mais vas-y. Retour de Jésus. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ça aussi, ça en parle. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Si tu commences 1 Thess par ensuite, toi-même tu as eu le camp, toi ceux de chercher, on ne t'a pas imposé. Pourquoi tu commences verset 16. Par ensuite, au niveau de ensuite? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts. À la voix d'un archange, pas à la voix d'un archange. À la voix d'un archange et au son de la trompette de reprends Dieu. À zéro. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ok. Oui, allez-y. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Viens encore. Et viens, fils, vers moi, s'il te plaît. Merci. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Quand Jésus va venir, là, les morts en Christ vont ressusciter comment? Premièrement. Et ensuite? Et ensuite, nous les vivants qui serons restés. Nous qui sommes encore vivants et humains, au dernier jugement qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. On sera enlevés sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Yeah. La Bible, à l'école du dimanche, on ne nous a pas dit que Jésus allait arriver ici sur terre. Là. Ses deux pieds allaient toucher le sol. Attendez. Est-ce que quand au début on vous expliquait l'histoire, même dans les films de Jésus, quand on vous explique dans les dessins animés, quand Jésus revient pour nous prendre là, il va venir habiller ici, il va se promener, c'est pas vrai? Il ne va même pas arriver ici. Lisons la Bible. Il va arriver où? Nous serons tous enlevés, enlevés avec lui sur des nuées. Oui. Et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il faut reprendre tout le texte. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On est d'accord qu'il est descendu du ciel, non? Vrai ou faux? Mais on n'a pas donné la destination finale. Maintenant, on va connaître la destination finale. Quand il est descendu du ciel, où il était? Il y a un indice, non? C'est comme une enquête qu'on est en train de mener, non? Hein? On va trouver où Jésus est au moment où il revient. On y va. Nous serons tous ensemble. Nous serons tous ensemble. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur c'est dans les airs. Tous ensemble, c'est nous avec Jésus. Nous avec les morts. Nous avec les morts là. Nous qui n'allons pas être morts au moment où Jésus revient là. Qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. À la rencontre du Seigneur, où ça? Dans les airs. Maintenant, continuez. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. La rencontre, ça va se faire où ça? Dans les airs. Voilà, Jésus ne va pas arriver ici, là, tapot. Oui, vas-y. Matthieu 24, verset 25. Voici, je vous l'annonce d'avance. Oui, oui. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, n'y croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre,
Là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc il décrit ici comment l'enlèvement va se faire. En fait, Jésus va nous aspirer vers lui. Dis amen bien fort. Amen. Nous les enfants de Dieu, gloire à Jésus, amen, on sera attirés vers le Tout-Puissant. Amen. On va aller à ça. Mais pour les autres là, brebis d'Israël là, il va descendre sur terre, le deuxième retour de Jésus pour prendre les 144 000 juifs. Si vous lisez le texte là, il va revenir encore sur terre pour les chercher. Parce qu'il y a une qualité d'humain là. C'est des brebis là, perdus. Est-ce qu'ils comprennent ce que je veux dire? Eux là, c'est dans, tu dois les chercher même à tout, non, ils ne viennent pas. Tu dois les prendre de force. Mais nous autres là, on est sauvés. C'est-à-dire, c'est, on est léger. Le temps, quand le temps de Yahweh va arriver, on va aller au ciel, au calme. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc, nous là, excusez-moi, nous là, quand notre Père parle net, on se livre à lui. On ne dit pas. Tous ceux qui sont devenus chrétiens n'ont pas fait d'efforts. Je vous dis la vérité. Quand on te demandait comment tu as fait pour devenir chrétien, tu ne sais pas que tu es devenu chrétien. Pendant que tu sais que tu persécutais peut-être avant. Mais quand son temps arrive, tu deviens chrétien. C'est un signe. Dis amen bien fort. Amen. Et donc, nous qui avons entendu, à tous ceux qui l'ont reçu, ce Jésus-là, Dieu fait de lui, de nous, des enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés du sang d'un homme, mais de la puissance de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Un père avait deux enfants. Il y a un qui est parti. Il a pris son héritage avant la mort de son papa. Il allait se promener, vivre la vie des prostituées, comme on dit chez nous, tout, pour créer tout. Il a fait. Après, il n'avait plus d'argent. Et il mangeait maintenant la nourriture des porcs. Donc, lui et les porcs mangeaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ils mangeaient ensemble. Je suis sûr que les porcs croyaient qu'ils étaient, c'était leur cousin. Tous les bébés porcs qui sont nés, qui ont grandi avec lui, disent que lui aussi c'est un porc. Vous savez, vous pouvez être au milieu des pécheurs. La vie que vous meniez, oh, vous n'étiez pas pécheur. Oh, j'ai cru que j'entends alléluia. Cet enfant-là, il croyait lui-même que sa vie était foutue. Dieu ne pouvait plus être content de lui puisqu'il sait qu'il a pris l'héritage de son père, de son vivant pour aller le dilapider. Mais un jour, il y a une voix qui lui a dit, mais tu as un papa. Tu comprends un peu? Et puis, c'est comme ça, il est retourné. Mais quand il retournait pour venir vers son papa, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, son papa a fait quoi? A couru pour aller vers lui, pour l'embrasser. Et son papa lui a donné une bague et ils ont tué un bœuf pour que cet enfant la mange. Je veux poser une question. Donc, son papa pouvait se déplacer. Mais pourquoi son papa n'est pas allé jusqu'à... Où ça? Où il y a des porcs pour le chercher? Non. Il y a des gens, Jésus ne va même pas descendre. Il va venir s'arrêter là et il va les appeler. Come on. Vous savez, quand nous faisons le premier pas, c'est là que Jésus fait un pas maintenant pour venir nous chercher. Il y a une qualité de personne comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'en parler. Jésus n'ira pas vous trouver dans la brousse. Moi, mon village est très grand. C'est ça. Mon village s'appelle Baléa. Il n'a jamais organisé de croisade d'évangélisation là-bas. Je suis sûr que quelqu'un à Baléa va dire, mais nous-mêmes, on est un homme de Dieu qui est pasteur, puis nous ici, on souffre. Non. Il y a une rubrique du Seigneur Jésus, il n'ira pas dans votre village pour vous chercher. Quand vous entendez sa voix, vous venez à lui. Alléluia. Et l'enfant prodigue, quand vous allez être dans le ministère, il y a des fils qui vont vous quitter. Moi, j'ai des enfants spirituels qui me quittent pour me faire un chantage. Genre, ils ne viennent plus à l'église. Et puis moi, vous savez ce que j'ai fait? Je vais composer. Il y a quoi? Je te vois plus deux jours là. Je viens te voir. Tellement tu es précieux. Et aller chez toi. Je ne vais pas aller chez toi. Alléluia. Tu sauras que Dieu t'aimait. Ce n'est pas moi. Et c'est parce qu'on se comprend. Tu vas rester là-bas jusqu'à un jour. Quand tu vas comprendre, tu vas revenir. Il y a des fils qu'on ne va pas rattraper. Il faut dire amen. Mais par contre, il y a des brebis. Quand tu apprends que, hé, on a vu Sonia, papa, ivre de drogue, elle est couchée là-bas. Papa, si tu fais rien, elle va mourir. Et puis tu vois l'homme de Dieu se lève pour aller voir Sonia dans le crocroni, au milieu des femmes nues en string. Il saute toutes les femmes nues là. Lui, il s'en fout, c'est pas ça. Il va pas sauver tout cela, c'est sa fille, bien cherchée. Il rentre dans le bata, dans la maison de la prostituée. Et il rentre, il s'assoit et il pleure. Sonia, ne te détruis pas. Sonia,
allons à la maison. Il prend la main de Sonia, il la lave, il la met dans une maison de retraite, il la suit jusqu'à ce que Sonia redevient la sœur, la chantre. Et puis un jour, il dit, Sonia n'était pas là, alléluia, notre sœur Sonia était perdue. Mais aujourd'hui, Sonia est de retour. On acclame le Seigneur. Ça, ce n'est pas l'enfant prodigue. Ça, c'est la brebis perdue. Alléluia. Psaume 89. Tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. Psaume 89, versets 31 et 34. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Tu me comprends? Le salut ne se paie pas. Dieu ne retire pas sa bonté à ses enfants. Le salut suggère qu'un homme a identifié ses enfants et les considère comme tels jusqu'à sa mort. Je voulais vous demander, est-ce que parce que ton papa est fâché avec toi, il t'a frappé, est-ce que c'est pour autant que tu n'es plus son fils? Alléluia. Très bien. Nous allons prendre le texte biblique dans Corinthiens qui dit que non, un homme avait péché, il a même couché avec sa belle-mère. Mais vous allez voir ce que Dieu a fait. Répète avec moi, le salut ne se perd pas. Donc, il n'y a pas de condition pour être sauvé. C'est pour ça qu'on dit le salut est gratuit. Tu m'écoutes, fils, tiens-toi debout. Le don gratuit, c'est vraiment le salut. Parce que quand tu as le salut, il n'y a pas de condition. Mais ça, on parle des Juifs. Je ne sais pas si tu comprends. Nous aussi, les mêmes conditions qui s'appliquent aux Juifs s'appliquera à nous, mais à une seule condition, qu'on accepte Jésus. Je peux vous dire la vérité. Plusieurs Juifs ne vont pas accepter Jésus jusqu'à la fin du monde et seront néanmoins, et seront quand même sauvés. Que le service d'ordre se mette à placer les chaises parce qu'il est déjà l'heure. Placer quand même les chaises, commencer à organiser l'église jusqu'à ce que les gens viennent. Le groupe musical sera bientôt là pour faire la sonorisation. Tonton Franck, et ils vont, voilà. Ils vont commencer à placer des choses et tout et tout. Les gens vont venir. 1 Corinthiens 5. Oui. À partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle que. Je pense que vous n'allez pas marcher pour faire cet exercice-là. Non. Qu'elle ne se raconte pas. Placez les chaises. Placez les chaises. Placez les chaises. Ceux qui sont habilités à le faire, aidez. Prophète Azazia, aidez s'il vous plaît. Amen. Amen. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On entend dire généralement parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Tu écoutes ça? Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Mm-hmm. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Yes. Et vous êtes enflé d'orgueil. Mm. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Yes. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Celui qui a commis un tel acte là. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés. Uh-huh. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé. Pour qu'il soit toujours sauvé. Est-ce que vous comprenez? Au Seigneur Jésus. Donc le but du péché, ce n'est pas de vous arracher le salut quand vous l'avez déjà. Le but du péché, si vous voulez. La sanction qui est liée au péché n'est pas le retrait de votre salut. La sanction liée au péché, c'est de vous faire souffrir et donner accès au diable sur terre contre vous. Quand vous avez déjà le salut. Donc, on a répondu sur deux plans. Le docteur de la loi, lui, il est très ferme là-dessus. On ne fait pas d'effort pour obtenir le salut. C'est un don gratuit. Mais un prix a été payé par Jésus. Mais pour qui? Puisqu'il existait déjà des Juifs sauvés. Ce n'est pas pour les Juifs, c'est pour les ramassis, nous autres là. Dieu a eu pitié de nous. Même dans le « afin que quiconque croit ne périsse point », le « quiconque » là, c'est encore nous. Acclamons le Seigneur Jésus. Posez des questions. Posez des questions. Parce que voilà ce que j'ai à cœur. Les chrétiens arrivent, on a dit 13h, donc il faut qu'il y ait un service, donc je vais continuer un service. Tu suis mon regard, non? 13h, il ne peut pas avoir silence pendant que les gens, des responsables.
Shalom. Et les pasteurs de l'église de la MRI, dites à Anaïs, à Flore, dites-leur tous ces pasteurs de MRI qui les 13 heures qui ne sont pas là. Ils vont après voir avec moi. Tous mes chrétiens, mes fidèles qui ne sont pas là à 13 heures. On va en parler. Mais ça, vous reculez parce que les anciens, je t'ai dit, non. Recule comme ça. La même position au fond. Oui, on y va. Shalom, Daddy. Oui, shalom. Question. Toujours dans le même ordre. Il est dit dans la Bible que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Oui. Et souvent, on utilise ce verset pour dire aux gens qui vivent dans le péché que c'est eux qui mourront forcément. L'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Mais vous étiez là. Mais qu'est-ce qui empêchait de venir placer? Non. Ça n'empêchait pas. Placer. Bon, qui vous a retenu? Un pasteur, toi aussi. On est en train d'enseigner. Les matériels arrivent et on les retient. C'est vrai? C'est à cause de l'enseignement qu'on ne peut pas passer pour placer des choses. Le boss, c'est à toi que je parle. Tu savais qu'ils étaient là? Maintenant, je te pose une question scientifique. Tonton Franck, je vous pose une question scientifique. Est-ce que à cause de l'enseignement du matin, la mise en place pour un programme officiel à 13 heures ne se fera pas? Vous-même, même si on dit, quand je suis là, vous avez peur de prendre des initiatives. Est-ce que, je vous repose une question, est-ce que, à cause de ce que je suis en train d'enseigner, est-ce que ça, la balance ne doit pas... Bon, considérons que je poursuis l'enseignement jusqu'à 16 heures. Est-ce que ça suggère qu'on ne doit pas passer derrière pour placer le matériel? Alors, mais pourquoi est-ce qu'il veut mettre ça sur nous? Ok, donc je peux continuer. Posez votre question, maman. Oui, Daddy. On nous dit que l'âme qui pêche, la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 19 à 20. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dis amen. Ce test biblique là, les gens l'ont fait, c'est hors du contexte. Il y a un contexte ici. On dit le salut là, pas le salut. Ce monde là, c'est chacun dans son chacun. Chacun est venu sur terre. Chacun va assumer ses responsabilités. Que aucun père ne peut prendre l'iniquité d'un autre. Que l'âme qui a péché là, c'est elle qui meurt. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas mourir à la place d'une personne. C'est ce qu'on voulait dire. En fait, ce texte biblique vient justifier l'acte que Jésus a fait. Il est le seul Père qui peut prendre vos péchés. En fait, que vous mourrez sans péché. Et un autre jour, je vais vous prêcher un évangile qui va vous faire peur. Est-ce que vous savez que le péché, là, dégrade la qualité de votre prestation de vie sur terre? Je ne sais pas si on se comprend. Et aussi votre prestation de vie après la mort, mais avant le jugement dernier. Ce que vous ne savez pas, le jugement dernier, là, le tout dernier jugement dernier, là, avant d'y arriver, il y a encore un temps de vie dans un autre monde qu'on appelle l'au-delà. La preuve, le pauvre Lazare, il est mort, l'homme riche est mort. Est-ce que c'est au paradis qu'ils se sont trouvés? Ils se sont trouvés d'abord dans un premier quartier. Et la Bible dit que le pauvre Lazare, il s'est retrouvé chez qui? Répétez fort, il s'est retrouvé où? Dans le sein d'Abraham. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. La prophétesse parlait en de sorte à ce qu'on ne sente pas que vous êtes là. Où ça? Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Vous comprenez où il est allé? Maintenant, prenons Jean 14, dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Écoutez bien le texte biblique. Jean 14. 1, verset 1. Jean 14, verset 1.
Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Donc quand il revient là, le jugement dernier n'est pas encore arrivé. C'est vrai ou pas? Je vous prendrai avec moi. Continue. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Vous savez déjà où je vais. Vous savez déjà où je vais. Et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, Jésus est revenu sur plusieurs formes. Il est revenu sur la forme du Saint-Esprit. Quand certains vont mourir aujourd'hui, ils peuvent déjà partir. Et puis, il va revenir sur la forme physique pour prendre un autre groupe. Que Dieu vous bénisse. Alors, le premier groupe pour qui il va envoyer commission, qui est le Saint-Esprit, là, eux, quand ils meurent, là, ils vont dans cette même demeure que le Seigneur Jésus allait préparer. Cette demeure-là, c'est avant le dernier jugement. Ce n'est pas le paradis. Mais vous voyez, il dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais le pauvre Lazare qui est mort, il s'est retrouvé où? Est-ce que quand vous regardez ce saint d'Abraham-là, c'est de cette place-là que Jésus parlait? Lui, il s'est retrouvé chez un tonton qui s'appelle Abraham. De vous à moi, quand vous faites vos papiers souvent là, on dit sous couvert de, quand tu n'habites pas chez quelqu'un, tu fais ton acte, c'est quoi la même certificat de résidence là? Quand tu n'as pas maison, tu écris quoi? Moi, Dolski Jaurès Yoro, sous couvert de Yoro Philippe. Bah, j'habite encore chez mon papa. Bon, comment toi, un chrétien, tu es mort sur terre, tu étais sous couvert, tu habitais à la porte de l'homme riche, tu es encore mort pour aller habiter chez quelqu'un? Pourquoi il n'a pas eu sa propre place? C'est à cause des œuvres qu'il a vécues sur terre. Abraham, une chose, Jean-Baptiste était le plus petit. Dépêchez-vous. Maman, c'est pour vous que je réponds rapidement. Le temps que tout le monde s'installe, qu'on entende la musique, je pars. Voilà, ça permet de donner un apéritif, un apéro à tous ceux qui arrivent, qui sont en train d'arriver. Il y a des personnes qui sont déjà là. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes. Il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parle plus fort, on reprend. Je vous le dis en vérité. Jean-Baptiste. Vas-y. Il n'y en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Sur terre, qui sont nés d'une femme, termine. Ça veut dire que sur terre, là, il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité une personne qui est apparue plus grand. Ça veut dire que qui est arrivé sur terre en ayant une allure, une si grande grandeur, qui est apparue ici. Il n'y a pas. Quand Jean-Baptiste est arrivé en son temps, il était le plus grand. Sur terre ici. C'est ce que ça veut dire en français, non? Parce que le thème dit quoi? Parmi ceux qui sont nés de femmes. Parmi ceux qui sont nés d'une femme sur terre, il n'y a personne qui est apparu, donc qui a eu l'apparence plus grande que Jean-Baptiste. On parle d'apparence, on ne parle pas de richesse et autres. On parle de statut moral, de notoriété. Maintenant, continue. Mais dans le ciel, regardez qui il est. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que notre évangile plébiscite là, il a été le plus petit dans le royaume des cieux. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça suggère, mais sûrement on dit, JB, oui, tonton, va prendre du coca pour moi. JB, tonton, où est le décapsulaire? Bon, ouvre-moi ça vite. C'est ce que Jean-Baptiste faisait là-bas. Le tonton qui criait sur terre ici. Oui. Pécheur. Il est parti se retrouver petit dans le royaume des cieux. Et pour quelle raison il était le plus petit? L'indice. Pourquoi lui a été infligé cette punition pendant qu'il a prêché l'évangile dignement? Matthieu 5, verset 18.
Car je vous le dis en vérité. Car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il ne doit pas disparaître de la loi un seul iota. Ou un seul trait de lettre. Ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui qui va supprimer un commandement dans ses commandements là. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Et qui enseignera aux hommes d'en faire au même. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il ira en enfer? Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il ira dans le feu? Sera appelé dans le plus petit. Ça veut dire qu'il aura au moins droit à aller dans le royaume des cieux. Mais seulement qu'il sera appelé le plus petit. Il y a une différence. Un iota, enlever un iota, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prêchez l'évangile, mais vous ne dites pas tout. Votre évangile est incomplet. La preuve est dans Acte 13, verset 1, qui concerne le rebaptême. Acte 19, verset 1. Et Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Écoutez, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. Paul, l'apôtre Paul, dont Jésus est mort, il parcourait les provinces de l'Asie. Arriva à Éphèse. Il arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Et il répondit. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Faut répéter ça. Entendu? Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc Paul leur demande, mais donc de quel baptême tu as été baptisé? Parce que pour lui, la conséquence d'un baptême est liée à l'enseignement que tu as reçu. Il dit à l'Éunuque éthiopien, est-ce que ce que tu lis, tu comprends? Quand il a dit oui, que te reste-t-il? Que me reste-t-il pour être baptisé? Il dit, maintenant que tu as compris, on peut te plonger dans l'eau. Donc on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas compris un message. Et on te baptise en fonction du message que tu as écouté. Et ils répondirent, le baptême de Jean. Il dit, oui, oui. Et quand il leur demande, mais de quel baptême avais-tu été baptisé? Il répondit, le baptême de Jean. Quel Jean? Jean-Baptiste. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Alors, Paul dit, Jean a baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est Jean-Baptiste qui t'a baptisé. Jean a baptisé du baptême de repentance. Il a baptisé du Saint-Esprit, il a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple. Il a dit au peuple. De croire en celui qui venait après lui. De croire en Jésus. Sur ces paroles. Mais après ces paroles. Ils furent baptisés au nom de Jésus. Il a quand même pris les gens pour les rebaptiser. Oui, oui. Maman, asseyez-vous. Ça ne vous choque pas? On rebaptise des gens qui ont été baptisés par Jean-Baptiste. Est-ce que c'est une insulte au baptême de Jean-Baptiste? Est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste, là, c'était un démon? Mais pourquoi Paul faisait ça? Quand tu es baptisé de Jean-Baptiste, il te rebaptise. Parce que quand on est baptisé sous un enseignement, on vit l'influence de cet enseignement. Jean-Baptiste prêchait quelque chose de très, très, très bizarre. Jean-Baptiste vit dans le désert. La Bible dit qu'il aimait manger. Regardez Jean-Baptiste, son évangile. Regardez l'évangile de Jean-Baptiste et regardez l'évangile de Jésus. Il y a deux types d'évangiles dans la parole de Dieu. Matthieu 3, à partir du verset 1. Voilà les deux qualités de choses. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Uh-huh. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen, c'est ça. Donc on y va. Verset 4. Uh-huh. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Merci. Donc, et une ceinture. Jean-Baptiste aimait les vins de vin. Et Jésus, lui, il buvait. Ok. Mais maintenez ça là quand même. Vous connaissez Jean-Baptiste, non? Quand il était, il vivait où ça? Dans le désert. Il s'habillait avec les poils de chameau et autres. Maintenant, c'est devenu une philosophie en Israël. Il y avait deux philosophies religieuses qui étaient sorties. Il y a la philosophie de Jean-Baptiste et la philosophie de Jésus. Et les gens même en ont parlé et s'en exclamaient en disant, Jean-Baptiste, vous avez dit, Jean-Baptiste ne mange pas et il ne boit pas du vin. Vous connaissez ce texte biblique? Luc 7, verset 33. Ils vont vous en parler. Luc 7, 33. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant... Première philosophie religieuse. Jean-Baptiste est venu ne mangeant... Ne mangeant pas de pain. Oui. Et ne buvant pas de vin. Et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Vous avez dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. Mais Jésus-Christ, lui, quand il est venu... Mangeant et buvant. Lui, il dit manger et buvez. Et vous dites. Et vous aussi, vous l'avez dit. C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Et un buveur. Un ami des publicains. Donc, ça fait deux types de philosophies. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Dans la deuxième philosophie, il y a une addition. Dans la première philosophie, il y a une soustraction. On ne mange pas, on ne boit pas. Dans l'autre là, on peut vivre Dieu, on mange et on boit. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus-Christ va venir au monde, qu'il laisse sa maman pour aller se faire baptiser, il fait de Jean-Baptiste son père spirituel. Lorsque le Saint-Esprit touche Jésus, le Saint-Esprit le conduit où ça? Dans le désert. Mais son père spirituel prêchait où? Or, quand tu lis la Bible, hein, lui qui devait être dans le désert, c'était Jean-Baptiste. Jésus, lui, ne devait pas être dans le désert. Il devait être au bord des lacs de Tibériade. C'est un contraste. Mais comme il est battu sous Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il vivait la vie de Jean-Baptiste. Il vivait dans le désert. Et arrivé à un moment donné, le diable est venu vers lui. Il avait faim. Le diable lui a dit, transforme-moi ce caillou en pain. Il dit, non, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est l'évangile de son père. Il a dit qu'on ne doit pas vivre de pain. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit plus tard, vous ne savez pas prier. Si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, .. Donne-nous notre pain quotidien. Chaque jour, on doit manger du pain. Mais Jean-Baptiste, quand il est venu, il dit notre Père qui est aux cieux, nous n'avons pas besoin de pain. Et c'est ce type de personne qui a prêché l'évangile au pauvre Lazare. Voilà pourquoi le pauvre Lazare est mort pauvre. Mais en étant sauvé. Mais quand Paul a vu ces jeunes-là, il dit, vous là, c'est Jean-Baptiste qui vous a baptisé. Ah, d'accord. Bon, d'accord. On va voir. Je comprends pourquoi vous êtes pauvres. Maintenant, vous rebaptisez. Bah, le Seigneur Jésus a complété. Il dit, mangeons. Vivez. 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 Yes. Ouais, alléluia. Qui a compris? Maintenant, nous revenons. Le texte avait dit quoi? Que celui qui prêche pas l'évangile au complet, là, il ne sera pas le plus grand, où ça? Dans le royaume des cieux. Cela suggère que, en fait, nos défaillances, nos défauts sur terre ne nous disqualifient pas forcément du salut, mais nous disqualifient des atouts et des avantages après la mort. Ça veut dire que dans le séjour des morts, c'est un lieu où on attend un jugement. Mais en entendant le jugement, tu habites où? Maintenant, pour ceux-là qui ont bien vécu sur terre, il y a un texte biblique même qui le démontre. Quand vous avez bien aidé Dieu. Ah. Mais ceux qui les observera, yes, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est tout. Regardez, dis avec moi le salut. Est-ce que le salut s'achète? Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 25? La Bible dit que au dernier jour, là, il aura des gens à droite et un groupe à gauche. Ceux qui sont à gauche, là, ils vont entrer dans la souffrance. Et ceux qui sont à gauche vont dire, mais Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter la souffrance? Pendant que nous avons dit ton nom, on a prêché Jésus, on a dit en ton nom, on a guéri des malades. Le Seigneur Jésus leur dit, quand j'avais faim, est-ce que vous avez fait quoi? Vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Est-ce que cela voudrait dire, hein? Est-ce que cela voudrait dire que le chef rebelle qui donne en ce moment à manger aux hommes de Dieu, aux orphelins, est-ce que ça veut dire qu'il aura au paradis pour avoir donné de l'argent? Non. Est-ce que la condition pour aller à droite là, faire les dons, fait partie? Mais pourtant ici, on voit que Dieu attire notre attention sur le fait que certains vont partir en enfer parce qu'ils n'ont pas fait Ndaya, ils n'ont pas fait œuvre de charité, ils n'ont pas fait un Children of Africa. On peut ne plus lire ça, là, tout le monde connaît. Mais je vais vous dire la vérité. En fait, effectivement, il y a deux types de royaume des cieux. Il y a un qui n'est pas le paradis, en fait. On ne parle pas du paradis. Il y a un moment donné, vous devez comprendre qu'on ne parle pas du dernier jugement. On parle de tout ce qui va nous arriver dans le deuxième monde. Là. Pendant qu'on entend, on est en train d'attendre. Luga François est où en ce moment? Doug Sagan, en ce moment, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est toujours dans la position couchée en train d'attendre que Dieu le juge? Maintenant, je peux revenir dans le texte. Ça fait vraiment peur, ce que je vous dis. Moi-même, ça m'a toujours fait peur. Regardez, la Bible dit que l'homme riche au séjour des morts. Ah, 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 ah.
Ça fait peur. Prophète l'ange, ce que je m'apprête à dire là, il y a des chrétiens ici qui risquent de ne plus revenir dans cette église. Mais plus tard, ils vont comprendre puis ils vont revenir. Luc 16, 23. Dans le séjour de mort. Dans le séjour des morts. Le riche leva les yeux. Le riche qui est mort là, il a levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Pendant que lui, il souffrait chez lui, il faisait chaud chez lui. Il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Donc ça veut dire que le paradis puis l'enfer sont voisins. Parce que pour que je puisse te voir, cela suggère que tu sois à une distance optimale, me donnant la capacité de te voir. Donc une distance optimale qui le permet. On ne peut pas voir quelqu'un qui est dans une autre dimension. On ne peut que voir quelqu'un qui est dans la même dimension que moi. Comment se fait-il que lui, il a péché, mais quand même, de là où il est, il peut regarder l'autre. Maintenant, continue. Il s'écria, Père Abraham, hey, Père Abraham, aie pitié de moi. Oh, il y a le feu ici. Et envoie Lazare. Père Abraham, pardon. Pardon, j'ai soif. Il faut envoyer... Attendez, c'est de la foutaise ou quoi? Donc l'enfer et le paradis, on peut se parler comme des voisins. Chez vous là-bas, il fait froid. Donnez-nous un peu. Ce bonheur-là, donnez-nous un peu. Et puis là, on vous avait déjà dit où c'est votre part. Donc les deux, est-ce que les deux endroits sont voisins? Ce sont des métaphores ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel coup on peut être dans le séjour des morts et puis parler à Abraham? Abraham, Abraham, Abraham. Et puis Abraham dit quoi? Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens. Sur la terre. Mais comment se fait-il qu'il peut avoir une communication entre deux êtres qui ne sont pas dans le même lieu, qui ne sont pas censés être dans le même lieu, ou qui sont censés ne pas être au même endroit, diamétralement opposés? Lui, ce n'était pas l'enfer. Ce n'est pas l'enfer, ce n'était pas du paradis ici. Après la mort, il y a une autre vie. Je vais vous expliquer cette vie. Vous n'avez jamais remarqué que dans nos quartiers, bien que le quartier soit de luxe, il y a toujours un quartier où des gens souffrent. Quand vous allez à Vervas d'Honneur, il y avait un quartier dans le trou là, au Gobelet. Il y a des gens, il y a toujours un contraste. Est-ce que vous ne vous êtes jamais arrivé à Djamé? Et il y a des gens qui sont handicapés, paralytiques. Et en plus de ça, ils sont aveugles, il y a du pu. Non seulement ils ne marchent pas, mais aussi ils ne voient pas. Et ils sont obligés de mendier toute leur vie. Ils n'ont jamais connu la joie. Vous ne connaissez pas ce genre de personnes qui mendient et on ne leur donne pas. Alléluia. Est-ce qu'on se posait la bonne question? Si on se demandait par exemple, est-ce que notre vie d'aujourd'hui n'est pas le séjour des morts d'une vie d'avant? Acclame bien. C'est ici que j'ai dit qu'on va quitter la MRI. C'est vrai ou pas? Est-ce que notre vie d'aujourd'hui n'est pas le séjour des morts des anges qui étaient au ciel et que Dieu affectait sur la terre, soit pour les récompenser ou soit pour les punir? Maintenant, est-ce que nous, notre nouvelle vie aussi n'a pas son séjour des morts? Et que les illustrations du feu représentent en réalité le mode de vie de là-bas. Quand la Bible même essaie d'attirer notre attention sur beaucoup de faits. Mais la seule différence entre l'ancien monde, notre monde et le futur monde, c'est que l'ancien monde, là, avant que nous ne soyons sur terre, nous qui sommes sur cette terre, oublions l'ancien monde. On est né, mais nous venons de quelque part, mais on a oublié tout ce qui s'est passé. Nous étions quelque part. La Bible dit que nous allons retourner des anges. N'est-ce pas? Mais on était quelque part, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez du ciel? Est-ce que vous vous souvenez du ciel? La Bible a dit tout de suite dans Jude 1, 4 qu'il y a des gens qui ont été envoyés ici, mais en réalité, c'est des impies depuis la naissance. Ça veut dire que nous avions vécu dans un système. Maintenant, nous sommes venus dans ce système en passant par une femme pour devenir des enfants et grandir. Mais quand nous grandissons, nous sommes amnésiques, nous oublions toute la vie du passé. C'est pour ça qu'on fait parfois des rêves ou dans les rêves, on s'envole. On est dans un monde, mais qui n'existe pas sur terre. Est-ce que ce ne serait pas des souvenirs d'un monde passé? Mais le seul problème... La seule différence, c'est que le troisième monde, c'est-à-dire après la mort,
c'est le seul lieu où on va se souvenir des visages. On ne va pas oublier le monde passé. Parce que quand on arrive là-bas, on a la mémoire de ce qu'on a vécu. Puisque l'homme riche dit, ramène Lazare dans le monde. Pardon, ça veut dire qu'il a reconnu Lazare. C'est pourquoi on appelle ce troisième monde-là le monde du regret. Comment on a dit? Donc, est-ce que quand on dit il vivait le tourment, est-ce qu'il était dans du feu? Alors, s'il n'était pas dans du feu, comme on nous avait fait croire du séjour des morts, s'il réussit à parler avec Abraham, c'est que c'est une vie citadine. C'est-à-dire qu'ils arrivent à communiquer. Maintenant, soyons réalistes. S'ils arrivent à communiquer, ça veut dire, ça peut vouloir dire qu'il peut se déplacer de là où il est pour aller. À votre avis, donc, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à communiquer sans pouvoir se rejoindre les uns les autres? C'est la question que je me suis posée, Dieu m'a donné la réponse. Seigneur, je constate que l'homme riche arrive à parler avec Abraham pour laisser une commission au pauvre Lazare. Mais pourquoi l'homme riche demande qu'on mette de l'eau dans le doigt dans l'eau pour lui donner et que cela est impossible? C'est parce qu'il y a une barrière entre les deux mondes. Maintenant, scientifiquement, quand il y a une barrière entre deux mondes, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent au moins communiquer? C'est les réseaux sociaux. Comment? Ça veut dire que tout ce qui vit est sur cette terre est une réplique des choses qui existent déjà dans le troisième monde. Yes. Le séjour des morts est en réalité comme ce qu'on appelle chez nous le parquet, où tu n'as pas encore été jugé, mais on te garde en attendant que tu sois jugé. Tu n'es pas libre de tout. Tu as droit à la télé. Quand tu regardes dans la télé, on te parle d'un célèbre personnage ici dans le séjour des morts qu'on appelle Abraham. Donc il y a des maisons qu'il met à la disposition de tous les réfugiés. Et puis tu vois à la télé, tu reconnais le pauvre Lazare. Et tu te demandes que est-ce qu'il m'est possible de communiquer avec l'homme riche. Homme riche, j'ai reconnu un gars chez toi. C'était mon employé quand j'étais sur terre. Est-ce que tu peux le ramener sur... Donc, le système de communication devait exister. Mais un système de communication qui s'apparente à notre monde, où il t'est permis peut-être de communiquer une fois seulement dans la semaine, à qui tu veux. Est-ce que ça ne devrait pas être à peu près ce style de communication qui se trouvait là-bas, ou qu'on va trouver là-bas? Alors, donc ça veut dire que lorsque vous arrivez, on dit, vous tous qui avez fait de vos vies ce que vous voulez là, on vous jette ici. Allez, vivez mal, vivez la souffrance. Vous qui avez servi Dieu dignement, allez ici, ici là, vous êtes à l'aise en entendant votre jugement. Parce que tant que vous n'êtes pas jugé, vous êtes accusé. C'est ça la présomption. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on doit nous juger avant d'aller au paradis, ça veut dire qu'il y a quand même un chef d'accusation. Donc, même si on a vécu, même si on est mort enfant de Dieu, comme nous avions une vie chrétienne, au moins, là où nous allons attendre notre jugement est encore mieux que là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Chérie, toi, tu as compris? Quand on va tous mourir, on est tous accusés de quelque chose. Mais sauf que il y a des traitements qui diffèrent. Nous autres, on est morts avec Christ qui a payé un prix pour que nous soyons bien hébergés en entendant le jugement dernier. Maintenant, parmi nous qui allons être dans les meilleurs lieux là, ceux qui ont bien payé, qui ont bien travaillé, qui n'ont pas péché, parce que Marie, qu'on est homme de Dieu, on pêche beaucoup. Voilà. Ceux qui ont réussi à se régler, pendant qu'on est chrétien, on pêche souvent, on ment, on dit des choses. Ceux qui ont été plus réglés que d'autres seront comme Abraham. Et ceux ici sur terre qui n'ont rien foutu, c'est-à-dire que tu es avare, tu es comme ça, malgré que tu as le salut, tu seras sous couvert de quelqu'un. Je commande au nom de Jésus que moi je ne serai pas sous couvert dans le ciel. Donc vous êtes devenu calme, mais est-ce que vous êtes choqué? Vous êtes choqué, non? C'est une autre dimension de la théologie. Comprenez qu'après cette mort, vous qui vivez comme vous voulez, vous allez vivre une souffrance là-bas. Personne ne pourra vous aider à cause du mal que vous avez fait sur terre ici. Même avant votre jugement, quand les gens vont te voir, on va dire certainement celui-là était très méchant sur terre. Quand les gens vont arriver dans le ciel et puis ils vont voir où Jean-Baptiste est, on va dire, mais Jean-Baptiste, nous quand on était sur terre, c'est ton nom on prêchait.
comment se fait-il que tu habites là? On rentre net, va y ta maison, va y lit, va y télé. Bravo. Donc, votre évangile, où vous êtes là? Moi, là, hé, je ne fais rien que c'est. Non, vous triez les messages, vous condamnez d'autres. D'autres, ici, sur terre, condamnent le message des anges. Il y a des pasteurs qui condamnent le message sur l'argent. Comment devenir riche? On dit que c'est l'évangile de prospérité. C'est comme ça que Jean-Baptiste était. Jean-Baptiste vit dans la brousse. Il dit, moi, là, je veux dire la vérité. Il dit, et puis, ça ne va pas quelque part. C'est de l'orgueil. Continuez. Vous allez rester comme ça. Ceux qui aiment dire, moi, je dis la vérité. On ne dit pas la vérité comme ça au roi. Pendant la crise post-électorale, il y a un jeune qui s'appelle Volcano. Un jeune d'Abengourou ou quelque chose comme ça. Il a commencé à crier sur le président Alassane. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis en prison. Qui allait le chercher là-bas? Dès qu'il est sorti, c'est temps s'il a dit qu'il n'est plus d'une chose. Il n'est plus avec Soro. Jean-Baptiste, quand il se lève matin, il ne mange pas. Hein? Il ne s'est pas brossé. Il prend miel sauvage, il lave. Il est sur ça, sur son habit comme ça. Et puis maintenant, il marche avec son bois. Quand il arrive devant le palais de justice de Hérode, les gens disent, le père spirituel du roi est arrivé. Il rentre comme ça chez son propre fils spirituel. Il est en train de faire fête. Il prend le micro. Mais arrêtez-moi tout ça là. Hérode, viens ici. Toi et ta femme là, avec cette manière de danser là, ce n'est pas de l'impudicité ça. Toi Hérode, ça c'est pas la fille de ta femme. Pourquoi tu zouques avec elle et tu as concentré ton cuir sur elle? Voilà comment un homme de Dieu parlait. Sans classe. Comment il peut dire cuir à un roi? Tu cries, et puis tout le monde est là, ses invités sont là. Si nous étions dans le monde des réseaux sociaux, c'est-à-dire il prend le micro et puis il commence à crier sur le vieux ado. Tu es un pécheur. Parce que tu commets l'inceste, ta propre fille Hérodia, tu couches avec elle. Un bonjour, la femme l'a appelé la PJ. Ils l'ont attrapé comme on a attrapé Jésus Baoulé. On l'a mis en prison et puis on l'a égorgé. C'est fini. Un jour, il était en prison. On devait l'égorger le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne lisez pas, je vais l'expliquer. Il a dit à son fils spirituel, fils, voici les barres de fer. Pardon. Merci pour le riz que tu m'as envoyé là. Mais si tu vas, tu connais mon cousin Jésus? Il dit oui. Il faut aller lui demander si c'est vraiment lui le Messie, celui qu'on attendait. C'est ça que son fils spirituel lui a dit. Ah, papa Jean-Baptiste, mais le jour tu l'as baptisé là, j'étais là. Et tu as élevé la voix, tu as dit, celui-ci est le Messie. Bon, comment se fait-il que tu lui poses des questions? Il dit, bon, moi, je commence à douter, moi, Jean-Baptiste. Parce que je ne peux pas être en prison. Moi-même, mon propre cousin est le Messie. Et puis, ils vont me tuer demain. Il dit, c'est vrai, hein, papa. Là, sûrement, tu as raison. Donc, il faut aller dire à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'on va... Il n'a pas connu.
God, déplace, acclame encore le Seigneur très fort. Le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser en son temps. On va chanter ensemble. Le temps nous appartient pas, le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser en son temps. Nous chantons le temps nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser. Le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser en son temps. Lui travaille dans le temps. Ne gaspille pas ton temps. Chaque chose a son temps. Oh, tu dois le comprendre. Oh yes. Travaille dans le temps. Ne gaspille pas ton temps. Oh yeah. Chaque chose a son temps. Oui, tu dois le comprendre. Oui, chaque chose en son temps et le temps ne nous appartient pas. Tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui nous rattrapera demain. Même quand nous allons dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, ça va nous rattraper. Alléluia. Amen. Alors je voulais t'inviter et te dire, il faut avoir ton saint lieu. Tu as dit amen bien. Doucement. Amen. Doucement. Parlez, vous communiquez doucement. C'est ce pourquoi vous avez des appareils. Nous avons, alléluia, en nous cette responsabilité de bien gérer le peu de temps que nous avons. Chaque chose en son temps sur terre, mais un jour ce temps-là va s'épuiser. Rachetons le temps. Et c'est ce que ce cantique veut dire. Le temps ne nous appartient pas. Le temps. Oh, hein. Le temps nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser en son temps. Le temps nous appartient pas, le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps, oh, de l'utiliser en son temps. Est-ce qu'on peut chanter ensemble le temps de Dieu? Le temps nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Mais Dieu nous donne le temps. Mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser en son temps. De l'utiliser en son temps. Le temps nous appartient pas. Oh, le temps appartient à Dieu. Oh yeah. Mais Dieu nous donne le temps. Comment? De l'utiliser en son temps. C'est pourquoi je dis, lui travaille dans le temps. Oh, ne gaspille pas ton temps. My God. Chaque chose a son temps. Oh, tu dois le comprendre. Oh, bien aimé, travaille dans le temps. Ne gaspille pas ton temps. Chaque chose a son temps. Son temps. Tu dois le comprendre. L'esprit parle à l'esprit. L'esprit de Dieu parle à ses enfants. Ce même Dieu qui fait le temps. Il y a un temps pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Alléluia.
Il y a un temps de témoigner, il y a un temps de manifester sa gloire. Est-ce que de là où tu es, tu peux parler à travers cette chanson? Tu peux parler, dis à Dieu merci, parce qu'il t'a donné le temps. Il t'a permis d'être ici, présent, pour l'entendre, pour l'écouter, pour recevoir de lui. Alléluia. Soyez les bienvenus. Oh, 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 oh. Travaille dans le temps, ne gaspille pas ton temps. Chaque chose a son temps. Tu dois le comprendre, tu dois le comprendre. Travaille dans le temps, ne gaspille pas ton temps. Chaque chose a son temps. Oh, oh, oh. Tu dois le comprendre. C'est pourquoi nous chantons. Le temps nous appartient pas. À vous. Il appartient à Dieu, mais Dieu nous donne le temps de l'utiliser. De l'utiliser en son temps. Le temps, le temps, le temps, le temps nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Oui, Dieu nous donne le temps. Oh yeah. Dis-le encore. Le temps, le temps, le temps nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. On m'a dit ja 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 ja. De l'utiliser en son temps. Of Langere de Baba Shitikara. Nous allons prier Dieu, nous allons nous mettre à genoux et nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Nous allons commencer à demander à Dieu. Tu vas déposer tes mains, tes deux coudes même dans ton fauteuil, si tu veux tes deux mains dans la chaise. Et tu vas demander pardon à Dieu. Là où tu es, prends appui sur le siège dans lequel tu es. Nous allons demander à Dieu pardon. Parier ta vie passée et repartir. Demandez pardon à Dieu. Et revenir en héros avec Jésus pour verger. Et repartir à zéro et revenir en héros avec Jésus pour percer. Demande pardon à Dieu. Vous savez, nous allons quitter un jour ce monde. Qu'allons-nous devenir après cette étape, après cette escale? Naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et revenir en héros avec Jésus. Berger et reparti à zéro et revenu en héros avec Jésus pour berger.
dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent. Reste dans cette position. Glorifions Jésus. Il faut vraiment prier Dieu. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Notre vie est remplie de beaucoup de corruption depuis un certain temps. Non seulement on ne prie plus, mais la vie de débauche, la convoitise, l'esprit de la pornographie, la masturbation. Il y a une personne parmi vous à genoux. C'est ça qui te fatigue beaucoup. Et Dieu ne te condamne pas, certes. Il te pardonne d'avance, mais il te donne la force de pouvoir abandonner. Il y a des choses qui nous donnent la sécheresse financière que nous faisons. Nos mains sont dans des choses ignobles, dans l'impudicité, dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est pour ça que j'ai demandé que tu t'affaisses sur une chaise, parce que nous n'allons pas dire amen maintenant. Il faut prier. Prie. Qui agit dans cette vie? Vous recevez une puissance venant du Père et vous serez des témoins. Oui, vous recevez une puissance venant du Père et vous serez des témoins dans cette vie. Dieu va me donner un signal pour que tu te lèves. Mais en attendant, prie pour demander pardon à Dieu pour le péché de tes parents. Sûrement, ils ont posé des actes qui t'ont réduit à ce niveau. Des adorations qui sont vraiment pour moi inutiles. Des poulets, des œufs qui donnaient à des esprits de mort. Vous ont mis dans cette situation. Demandez conséquemment pardon à Dieu. Toi qui viens d'arriver, mets-toi automatiquement à genoux. Prions le Seigneur. Oh, que ces vivres or inondent de mon âme et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes pardons à tes pieds, je de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui touche mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. À toi tel que je suis, Jésus. Oui, pardonne mes fautes. Oh, oui, change mon cœur, Seigneur. Oh, oui, toi qui as sauvé cette nation. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi. Oh, mon rabounier, avec toi je veux marcher, avec toi je veux composer, Seigneur. Jésus, prête-moi ta force. Jésus, change ma situation. Jésus, Papa, je te demande pardon. Je te demande pardon.
pour mon iniquité. Pardonne-moi pour mes fautes, Seigneur Jésus. Jésus, à tes pieds je viens.